Et modérateur en mille de ta chaîne YouTube du coup, et celle de Brut aussi, évidemment. Donc voilà, mais c'est trop cool. Merci beaucoup, Acha. Et surtout, il faut que je regarde ce. Mais à coup de pas, je connaissais pas ta chaîne, et il faut trop que je regarde. On peut pas connaître tout le monde, on peut pas connaître. Non, mais ouais, mais quand même, tu vois. Pourtant, pour le Z-Event, tu vois, j'essaie toujours de connaître à peu près tout le monde. Tu vois, vu que j'étais déjà venu à d'autres éditions et que je mate Twitch comme. Comme un ouf, voilà. Donc je vais regarder ce que tu fais, j'ai hâte de découvrir en fait. Ouais, bah écoute, trop bien. Oui, je vais te laisser aussi peut-être, parce que je sais que tu as des interviews aussi à faire avec les différents participants. Merci beaucoup Charles, en tout cas, c'était trop cool et on aura l'occasion de se recroiser pendant l'événement. Merci beaucoup. Oh là là, quel boss, c'est trop bien, trop intéressant de ce dont il nous a parlé, Charles. J'avoue que je suis allé, je vais pas vous le cacher, je vous fais une confession, bien sûr, je suis allé tout timidement le voir l'autre jour en mode mec, je kiffe ce que tu fais et tout, c'est trop bien, c'est hyper important de faire en sorte que l'information passe sur des endroits hyper reculés et hyper dangereux, comme parce qu'il a travaillé notamment dans des lieux notamment comme Daesh, les charniers de Daesh, et que tu viennes en parler comme ça, que tu prennes le temps de faire des trucs. Donc franchement mec, c'est trop bien et voilà, c'est trop cool. Donc on a fait connaissance avant le event et donc là je lui ai proposé un petit peu à la volée de venir parler parce qu'il m'avait dit qu'il avait fait un documentaire au Tchad où il était allé justement parler de malnutrition et des problèmes qu'il pouvait y avoir là-bas. Je me suis dit bon bah c'est plutôt le moment pour y aller et discuter en même temps de son travail qu'est celui de reporter de guerre au final. Donc non trop intéressant, il est trop super chouette. Donc voilà, hyper intéressant et touchant sur les charniers. Bah ouais, c'est touchant, je crois que c'est un euphémisme à mon avis, mais ouais, hyper vraiment passionnant. On va faire un petite session remerciement parce qu'il y a Topinambour qui a donné 1 euro, il y a Mathilde aussi qui est venue remplir la besace du The Event qui s'élève quasiment à 1 600 000 euros. Merci beaucoup à Mathilde pour les 7 euros. Merci beaucoup aussi à Foxy Sally, merci pour 1 euro. Sarabi aussi qui est venue rajouter 7 euros à notre cagnotte, merci beaucoup. L'armée des 1 qui est venu remercier Charles Villa aussi. Merci beaucoup à Laura pour les 15 euros. Rivenzi, intervieweur, comme on l'aime. Merci beaucoup aussi à Félicia pour les 7 euros. Merci Floflande pour les 30 euros aussi qui ont été donnés. L'armée des 1, 1 euro. On a aussi Anonymous qui a donné, un donateur anonyme qui a donné 3 euros. Rimco, Zazu, Rimco 5 euros et Zazu 7 euros. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. D'un côté, t'as Riff qui fait une interview avec Charles Villa et de l'autre, t'as Dwagby qui s'est détruit un bras en portant Inoxtag. Mais non, il s'est fait mal vraiment. Aïe, terrible. Mais non, mais après, c'est ça le The Event. C'est toutes ces. Regardez, il est juste derrière Charles, du coup, il fait des petites interviews avec. 600 000 euros ! Bravo ! 600 000 balles, 1 600 000 euros. Donc Charles Chemont qui fait des petites interviews avec Shaw. Donc Shaw Hachin que j'ai rencontré aussi pendant ce The Event. Donc qui me connaissait aussi. Donc on a un petit peu discuté évidemment avec ce streamer évidemment exceptionnel de Call of Duty. Très 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 sympa. On a beaucoup discuté, c'était très chouette. C'était très très chouette. Merci beaucoup Doudou Désime, merci pour les 7 euros. Donc voilà, c'était très cool. Peut-être que je parle à modération, mais n'hésitez pas à faire un temps fort hein, pour ceux qui peuvent éditer. N'hésitez pas à faire un temps fort de ce moment. Peut-être qu'on pourra remettre le replay sur la chaîne YouTube pour les gens que ça pourrait intéresser. Qui est le plus grand entre Shaw Hachin et toi? Je crois que Shaw est plus grand que moi. Il me semble qu'il est plus grand que moi. Mais je crois qu'on est parmi les deux plus grands. Hein. Il y a Loclear aussi qui est très grand. Il y a Amine aussi qui est très grand et qui est plus grand que moi d'un centimètre, il me semble. Et voilà. Oh, merci beaucoup Guillaume Slash, incroyable. Merci beaucoup, incroyable. Comment qu'il va Guillaume Slash? Merci depuis le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dionysos Phoenix aussi pour les 5 euros. On vise la Coupe Mulet. Oui. On va viser la Coupe Mulet tous ensemble. La Coupe Mulet, évidemment. Et aussi, merci beaucoup à Control Z aussi qui a donné 27 euros juste derrière pour le The Event. Et aussi, merci beaucoup à notre ami. Et merci beaucoup juste derrière à Coco, à Furud qui donne 108 balles. Merci beaucoup, Furud, pour les 108 euros. On approche doucement, mais sûrement, des 15 000 euros pour la joute médiévale. Ça va être régal. Merci beaucoup à Coco aussi pour les 27 euros donnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Thomas aussi qui lui aussi vient rajouter dans la besace les 27 balles. En direct, bien joué Riff pour ce que tu fais, c'est très cool. Donc c'est trop chouette, merci énormément. Trop intéressant, et la victoire sur la thématique actuelle peut-être envisageable. Bah en fait, ce serait des interviews du coup. Là, ce serait plus des live histoires, ce serait plus des interviews. Merci beaucoup Mamadeus, merci pour les 50 euros qui ont été donnés. On va avoir l'alerte.
Merci beaucoup pour les 50 balles. Yeah. Merci beaucoup, le Duc de Bretagne, en mission pour les actions, pour Action contre la faim. Let's go. Merci beaucoup, c'est très cool. Merci énormément. Merci à Bobinator aussi pour les 15 balles. Merci Emlyr pour les 1 euro. Merci No Skills aussi. Voilà, c'est très chouette. Représentant de Tu l'as vu, bien sûr. Merci No Skills. Et bonne année pour les petits Indiens qui donnent 30 euros également. Tu vas faire la tier list, messieurs, dames. Vous ne pouvez pas mieux s'en parler puisque je suis dessus. Voilà la tier list des personnages les plus importants de l'histoire de France. Évidemment, c'est évidemment une... Il va falloir qu'on refasse les noms. Hein. Donc, on a mis pas mal de monde. Du coup, il y a Jaurès, il y a Général de Gaulle, Putain, il y a des personnages que je connais. Je les connais pas tous. Hein. Je les connais pas tous. Là, en tout cas, de tête, vite fait. Les Frères Lumière qui sont là. Les Frères Lumière qui sont ici. Là, c'est Lafayette, si je ne m'abuse. Là, c'est Molière. Là, c'est... Voilà, il y a de tout. Il y a Jeanne d'Arc qui est là. Il y a Vercingétorix. Il y a Simone Veil. Wow, ça va être chaud, hein. On va espérer d'y aller. Je connais genre 5. Bah, t'as Louis XIV quand même qui est là. T'as Louis XVI, Général de Gaulle. Jean Jaurès, comme je disais. Ça, c'est qui? Les trois, là. Ça, c'est Rodin, il me semble. Il y a Rodin. Merci beaucoup à Luc qui a donné 10 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup à un donateur anonyme qui a donné 108 euros. Merci beaucoup au donateur anonyme. Merci énormément. Ça donne 108 balles. Waouh. Merci beaucoup. C'est très cool. C'est Monet. En fait, c'est ceux-là. Si je les connais tout ça. Ça, c'est Émile Zola, je crois. Non, c'est pas Émile Zola. Je dis n'importe. Flaubert à côté de Rodin. Ok. Oh, ouais, mon ami. Ok. Ils ont mis des choses. En gros, ça a été fait par mon frère. Et ouais, il y a François Ier qui est là. Il y a Richelieu Mazarin. Il y a Henri IV qui est ici. Ouais, il y a du monde. Danton, Robespierre. Alors, du coup, faut qu'on fasse les tiers. Donc, qu'est-ce qu'on met comme... est-ce qu'on appelle le fraude, le français of all time? Le fraude, pilier. En B, on peut mettre quoi? B... On a Fraute, donc Français of all time, pilier de l'histoire de France. Ouais. Je vais lui demander, attendez. En vrai, go lui demander la liste avec les noms dans l'ordre. Ouais, je vais lui demander. Tac, je vais juste lui envoyer un petit sage mais. Hop, tac. Voir ça juste pour qu'on ait le nom, pas qu'on se trompe en fait. Comme ça, je vais demander. Hop. Après, on va commencer par les noms qu'on connaît. Genre, on peut commencer par. Louis XVI déjà, Jean Jaurès et tout ça quoi. Incontournable c'est pas mal. Après incontournable c'est... Oui incontournable. Incontournable c'est pas mal incontournable. Voilà incontournable on est bien. Tac. Merci beaucoup à Dexter aussi qui a donné 27 euros. Merci pour tout ton super travail. Merci, c'est très gentil. On a incontournable. On a surcoté et sous-côté, ouais, sous-côté, surcoté. Et on fera un dernier tiers qu'on appellera roman national. Comment est-ce qu'on fait pour rajouter un truc? Voilà, on appellera une autre. Attends, on va laisser en vert. On va lui faire un truc roman national. On va lui faire un truc roman national. Et le dernier sera PTDR, t'es qui? Voilà. Tac, on le met en rouge. Non, il ne le met pas en rouge, on va le mettre en vert ici. Tac. Et on va mettre... on va mettre en dessous, surcoté. Ici, on va mettre Add a Row Below. Et là, on va mettre en bleu. Peut-être. Non, on va laisser en vert celui-ci. Celui-ci, on va mettre PTDR, t'es qui? Voilà. Voilà, merveilleux. On va le mettre en bleu. Voilà.
Donc on a Fraute, Pilier, Incontournable, Sous-Côté, Sur-Côté, Roman National, PTDR, Teki. Voilà, pas mal. En vrai, on est bien là. Là, on est très bien même, je pense. Là, c'est bien, là, en vrai. Elle est bien, cette tier list. Il faudrait juste que je me place ma caméra ailleurs parce que je crois que j'embête un peu, là. Ah, ce sera mieux comme ça, je pense. Putain, Inox, tag, là, casse-toi. Ok, là, voilà, c'est bon, on fait. Donc là, on est bien. T'as mis la claque à Inox? Non, pas encore. D'accord. Fraude, c'est Français of all time. Pour ce qui fait des acrobaties, ouais, il ne s'arrête jamais. Fraude Français of all time, peut-être qu'il faut que j'arrive à le mettre. Français of... Attendez, mais non, faut pas que je le fasse comme ça. Français of all time. Voilà. Ça va être bien comme ça. Pourquoi Roman National? Bah Roman National, bah typiquement pour moi, on peut commencer si vous voulez. Hein. Voilà, Vercingétorix, on commence tout de suite. Voilà, Roman National, Vercingétorix, c'est pas mal en vrai. En fait, Roman National, c'est pour ceux qui savent pas, en gros, Roman National, c'est quand même quelque chose qui... c'est un comment dire, c'est quelque chose qui a été créé au Land, c'est une idée, une manière de penser, on va dire, l'histoire qui a été imaginée au lendemain de la défaite de 1878 et où la France, pour justifier une idéologie dite de revanche, a créé ce qu'on appelle le roman national. Et le roman national, donc au lendemain de 1870, c'était utiliser des images, des grandes images de l'histoire de France pour pouvoir, des grandes images de l'histoire de France pour créer une sorte de grande idée d'appartenance et de pouvoir on va dire redonner de la fierté on va dire à ceux qui avaient perdu. Donc voilà. Oh, merci beaucoup à Chiro qui a donné 150 balles. Merci beaucoup pour Action contre la faim. Merci beaucoup aussi à Purple Pachyderme qui a donné 27 euros. Merci beaucoup. Mettez-moi un petit peu des cerveaux évidemment dans le chat. Des cerveaux qui... Montrez-moi que les cerveaux supportent Action contre la faim là s'il vous plaît. Montrez-moi. Comment est-ce qu'on fait en vrai là? Comment est-ce qu'on fait chez les cerveaux? Voilà, show me. Voilà, là on est bon. Voilà, merci beaucoup au Arcamus qui donne 10 euros. Notre roi Rivenzi, rien d'autre à dire, vive le roi. Merci beaucoup. Votre roi Rivenzi, bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine, évidemment, pour vous jouer des tours. Donc voilà, mais en fait, voilà, le roman national, c'est des personnages qui... sont effectivement importants, mais voilà. En vrai, qui sont des personnages importants, mais dont l'importance a été quand même parfois exagérée. Donc voilà. Et on rappelle qu'il a quand même perdu contre les Romains. Oui, et surtout que... Et en fait, c'est ça. Et en fait, mais par contre, ce qui est bien avec alors, on peut commencer par Vercingétorix, si vous le voulez. Donc Vercingétorix... C'est quand même une histoire qui n'a pas duré si longtemps que ça, parce que je crois que Vercingétorix, c'est à peine 10 ans hein, dans l'histoire de France. Hein. Je crois que Vercingétorix, il s'est battu contre les Romains, mais c'est ce que mon ami Thibault de la chaîne Histoire Appliquée appelle l'étoile filante de l'histoire. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas resté, on va dire, longtemps comme une figure emblématique du combat contre les Romains, quoi. Et surtout qui arrivait bien, bien, bien après, quoi. Oublié jusqu'au milieu du 19e siècle, sa figure est représentant la civilisation gauloise est largement mise en avant sous Napoléon III. Puis, dans le cadre de l'affrontement franco-allemand, il incarne une figure de mythique nationale. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, la page Wikipédia, mais bon, vous l'avez. Voilà, c'est un an et demi Vercingétorix. Donc bon, c'est pas fou, quoi. Puis, dans le cadre de l'affrontement franco-allemand, il incarne une figure mythique et nationale pour le premier ordre pour la France dans une partie importante de l'historiographie du temps. Entre 1870 et 1950, l'histoire de France telle qu'elle est enseignée à des générations d'écoliers fait de lui le tout premier chef de la nation. Alors évidemment, le terme de nation est un petit peu galvaudé, quoi. Il a combattu contre Rome au début de la guerre des Gaules. Alors attendez, la date de la guerre des Gaules. Date guerre des Gaules, tac, et 58-51. Bon, il se bat comment, là? Moins 50... C'est plutôt la fin de la guerre des Gaules, du coup. Non, c'est plutôt fin de la guerre des Gaules, du coup. Campagne du printemps... Oui, c'est plutôt fin de guerre des Gaules, en réalité. Hein. Ouais, c'est la fin. En vrai, il a... Jules César regroupait ses troupes... Ouais, bah c'est bon.
C'est game. C'est game. Vercingétorix. Quelqu'un a fait bien une vidéo sur Vercingétorix. Vous l'avez vu ou pas ce, ce film Vous l'avez vu ou pas ce film Vercingétorix? Aïe, terrible. Merci beaucoup Aldira pour les 50 euros. Merci beaucoup, c'est bon, 50 balles hein, pour Aldira. Merci énormément pour Action contre la faim. C'est très chouette. Merci pour le soutien Aldira. L'étoile filante de l'histoire qui vient de donner 7 euros. Merci beaucoup. Et Crico qui a, de, Kirko qui a, Crico, pardon, qui a donné 1 euro aussi. Je donne pas beaucoup, désolé. Mais on s'excuse pas parce qu'il n'y a pas de petits dons. Si chacun d'entre vous déjà mettait 1 euro, imaginez ce qu'on pourrait faire. On pourrait soulever des montagnes. Peut-être pas, mais... Voilà, c'est pour ça que Vercingétorix, c'est... Je pense que c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est peut-être pas le plus simple de commencer par lui, mais c'est très roman national, comme c'est quand même Vercingétorix. On va pas se le cacher. Chef-d'œuvre incompris. Moi, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre incompris. Oh putain, il y a Moscato, c'est vrai, dans... Oh non. Moscato, Vercingétorix. C'est vrai qu'il y a Moscato. Oh la dingue. C'est... Oh, c'est vrai qu'il y a Moscato dans Vercingétorix. Oh, incroyable. Bon, est-ce que rien que pour cette information... On peut retourner sur un... On peut retourner sur un petit surcoté, on peut le monter d'un... Malheureusement, le roman historique a aussi gommé les qualités de ce chef gaulois. Bah, en vrai, c'est comme ça qu'on le perçoit, quoi. Les vraies qualités, je veux dire. Est-ce que Thibaut, tu veux venir nous vendre un peu les qualités de ce chef gaulois? Comme ça, tu viens un peu défendre... Est-ce que tu veux devenir... Ah mais avec plaisir, bien sûr. Alors on va discuter rapidement évidemment de ça. Hein. Je suis sur le channel sur mon roman national. Non, on va mettre roman national. Pour l'instant, il est roman national. Il est très très bien au chaud dans roman national hein, pour l'instant. Vercingétorix. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai trop hâte de sortir cette. Sachez que cette tier list ne sera pas publiée sur Twitter, hein, je pense. Pas trop. Hello, comment qui va celui-ci? Bah écoute, ça va. Il est là, et il est là. Hein? Et toi? Écoute, ça va, écoute, très bien. En vrai, je crois que c'est la première fois que je me pose sur mon live depuis le début de la journée. Il est 17h, tout va bien. Bah ouais, je sais, je l'ai allumé depuis midi, depuis que t'es arrivé, et je t'ai vu partir, revenir. Bah revenir, ouais, c'est ça, j'ai pas arrêté, mais bon, écoute, c'est comme ça, mais c'est très cool. En vrai, on aura des trucs à 17h encore, mais on va commencer cette tier list. Il faut que cette tier list soit terminée pour fin du The Event. Mais il y a du boulot, hein, parce qu'il y a vraiment du monde à trier, peut-être des gens à rajouter si on en a oublié ou quoi. Ce sera évidemment à discuter et à débattre. Et évidemment, Vercingétorix, est-ce que tu es d'abord d'accord avec les tiers que j'ai fait? J'ai fait Fraut, le français of all time, qui sera pour moi le qui aura tout seul, parce que c'est l'enjeu. Ouais. C'est okay. Évidemment tout le sel de cette... c'est évidemment tout le sel de notre discussion. Ouais, ça me semble bien. Donc, qui sera le français, qui sera le français, quoi. Il y aura le pilier, il y aura les incontournables, on peut mettre avec un S. Ouais. On aura les sous-côtés, les sur-côtés ouais. aussi. Le petit tiers roman national qui est donc fait... Qui est donc le sel de toutes nos discussions actuelles. Et le PTDR ouais. Techie qui au final, bon... Qui est oubliable. Oubliable. Très, 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 très oubliable. Donc, okay. Commençons par feu Vercingétorix. On va dire beaucoup feu pendant cette Vercingétorix. En fait, il y a plusieurs trucs à considérer avec Vercingétorix. Le premier, c'est que... c'est effectivement ce qu'on disait, j'ai l'habitude de l'appeler l'étoile filante de notre histoire parce que ça, ouais. Il n'est pas resté longtemps mais il a eu une marque qui a été très très forte. Et en fait c'est pas uniquement dû au roman national parce que la guerre des Gaules ça a duré peut-être 15 à 20 ans à l'œil. Et Vercingétorix c'est un an et demi d'aventure, ouais. Donc c'est très court au final. En revanche c'est un personnage qui est devenu aussi connu et qu'on en a fait ensuite quelque chose d'emblématique, c'est aussi parce qu'en fait c'est le seul à avoir eu autant de succès. Ouais. Dans le sens où c'est le seul à avoir réussi à tenir tête aux légions romaines, c'est le seul à avoir mis César en échec, c'est le seul à ne pas être passé très loin d'avoir gagné la guerre des Gaules. Et c'est pour ça qu'en fait, parce qu'il a changé aussi pas mal de trucs dans les armées gauloises, la manière dont elles se battaient, la manière dont il abordait les choses, enfin
C'est, on peut pas dire que c'est juste un mec qui a été créé de toutes pièces pour le roman national. On peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est que le roman national en a fait un personnage, mais qui allait avec ce que les Gaulois en ont fait. Ok. Pardon, ce que le roman national a fait des Gaulois aussi, qui en fait a un peu gommé les vraies compétences et les vraies qualités du personnage. Et du coup, eh ben, le roman national en a fait un truc qui finalement correspond assez peu à la réalité. Et c'est, bah, c'est dommage, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, donc, bah, après, c'est vrai qu'on l'a un petit peu gommé. Après. C'est vrai que est-ce qu'on est un peu dur en disant roman national du coup ? Parce que finalement, ouais. Vrai personnage historique, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dur ? Alors, moi je trouve ça un peu dur parce que. En fait, le truc c'est qu'on a tendance à le caser très très vite dans la case roman national et s'en moquer un peu. Parce que du coup, soit ça correspond à l'image un peu cliché des Gaulois, soit ça correspond. C'est quasiment le personnage du roman national et du coup on le met de côté en rigolant. Et du coup, pour moi, c'est un personnage qui est clairement sous-côté. Quoi ? Ah, bah tu vois, moi j'aurais dit sur-côté. Ouais. Parce que du coup, le roman national nous l'a survendu comme un chef de nation alors que ce n'était absolument pas le cas. Mais je dirais surcoté dans le sens où il a fait des choses, mais on ne le connaît pas pour ses bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, bah, je dirais surcoté dans le sens où, en vrai, nos ancêtres les Gaulois, c'est aussi à cause de Vercingétorix, tu vois. En grande partie, je trouve, parce qu'on se répète, tu dis, c'est qui le Gaulois le plus connu après Astérix Obélix ? Bah, c'est Vercingétorix. Ouais. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un truc surcoté dans le sens où, bah, il a que tenu un an et demi, mais que, oui, il a fait des choses bien, donc c'est pour ça qu'il n'est pas que dans le roman national, mais il mériterait, selon moi, d'aller quand même dans un tiers du dessus qui est surcoté. Sous-côté, ce serait. Ça ferait beaucoup, quoi, bah, tu vois. Après, c'est vrai que bah, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur la question, j'ai toujours tendance à voir le bien, en fait, ce qu'on connaît mal de lui. Et en fait, on connaît rien. Enfin, la culture populaire connaît rien de lui. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très sous-coté et que le roman national en a fait quelque chose de sous-coté. Même si en fait, le personnage. Ah, c'est ça qui est. C'est ça, j'ai mis le doigt dessus. Le personnage que le roman national nous a fait est sur-coté, mais le personnage historique lui-même est sous-coté. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait faire un négatif du. Tu sais, on met les images en négatif de Vercingétorix. Ouais. Ouais, c'est ça. En mode roman national, et l'autre, c'est le vrai Vercingétorix, tu vois. C'est ça, c'est ah ça. Là. Pour un tiers incompris. C'est peut-être pas le plus facile à commencer comme perso, je trouve. Bah ouais, mais il était un peu incontournable d'une certaine manière. C'est le plus ancien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un des plus anciens. Après, on va reprendre dans l'ordre aussi, on verra dans l'ordre qui nous a été mis, et on verra un peu au fur et à mesure. Donc, c'est dur, hein. C'est dur de choisir un tiers pour Vercingétorix. Ah, j'avoue. Faudrait effectivement faire une case incompris. Les incompris. On devrait mettre après, j'ai pas compris. Après, techniquement, si c'est les personnages de l'histoire française, ouais. À quel moment est-ce qu'on considère qu'il était français ou pas ? C'est pas français. On le met pas français. Et là, on dit non mais Thibaut mais c'est chiant là. Là c'est chiant. Là c'est chiant parce qu'il était pas français effectivement. Ils sont tous incompris alors quoi ? Ils sont tous incompris. Le général de Gaulle qui appelle le 18 juin. Comment ça incompris ? T'as incompris ? Ils sont pas incompris. Vous êtes fous. C'est voilà. Je vous prendrais une catégorie un peu, je sais pas, hein, pas oublié de l'histoire parce que c'est pas vrai, catégorie un peu, je sais pas trop comment dire, déformée, je ne sais pas. Ouais. C'est la merde dès le premier personnage. Ah ouais, personnage. C'est clair, c'est la merde un peu, ouais. Écoute, j'ai un doute, là, je suis... Le doute m'habite. Facile. Hein. Ah ouais, il est pas facile. Il est pas facile. Moi, je reste vraiment sur le surcoté. Je resterai sur le surcoté de mon côté, j'avoue. Sur Vercingétorix. Selon l'endroit d'où tu te places. Si tu te places du côté du roman national, il est surcoté. Si tu te places du côté du personnage historique, il est sous-coté. Et je trouve ça intéressant, du coup. Ah ouais, mais du coup, il faut une réponse. Les gens veulent on peut pas mettre un entre-deux. Il les est à la gens fois veulent une sûr. Réponse. Ah oui, les gens veulent une réponse. Est-ce qu'on peut me faire un sondage, s'il vous plaît, dans le chat pour la modération ? Faites-moi surcoté ou sous-coté pour Vercingétorix. C'est peut-être que j'écouterai la voix du peuple. La voix du peuple. On va créer juste une case Vercingétorix. En mode ouais, genre. C'est ça. Exactement. Oui, sous-côté, sur-côté ou Vercingétorix. C'est ça. Ou sur-côté, sous-côté. Et rajouter aussi une case roman national, comme on est sur la discussion des trois. Ouais. Des trois tiers, mettez-moi, si vous possible, merci beaucoup. Quoique, là, vous avez mis quoi ? Ouais, sur-côté, sous-côté. Bon, on est sur sur-côté, sous-côté. Alors que tu vois, un personnage comme Clovis, pour le coup, est full roman national. Ah, tu dis ça parce qu'on est le plus du fou et que tu es vexé, c'est tout. Non, mais non.
stretch, encore l'image avec le fleur de lys qui tombe du plafond. Non, mais tu dis ça parce que tu dis, c'est personnel là ce que tu fais, c'est personnel. C'est non, complètement personnel. En fait, l'histoire de Clovis, il n'y a pas de truc hyper méconnu sur le personnage qu'on découvrirait demain matin. Enfin, ouais, qu'on découvrirait et qu'en fait la plupart du grand public connaîtrait pas parce que il est assez indissociable du roman national. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup étudié l'histoire des Gaulois et que c'est vrai que tu t'y connais bien. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à toi sur notamment ce premier qui est pas facile, comme on disait. Merci beaucoup Zerovla, merci pour le et 27 euros chaud, pour que Nolan Leroy fasse partie de cette liste, bien sûr, évidemment, personnage de l'histoire de France. Merci beaucoup à un donateur anonyme qui a donné aussi 27 euros, Simon qui a donné what? Ok, ça donne 2500 euros. Merci beaucoup. Putain, c'est les gens qui suivent Angle Droit, c'est pour ça, c'est des gens de droit, c'est pour ça. Merci beaucoup Simon qui a donné 20 euros aussi. Merci beaucoup à Bobby Blackhat qui a donné 1 euro. Merci beaucoup Tracker le BG qui a donné 1 euro. À Iris les 2 euros. Et le Mont-Saint-Michel Normand qui a donné 1 euro. On me dit, tu n'as pas le choix. On a toujours le choix. Et j'ai bien l'impression qu'on va partir sur un surcoté pour Vercingétorix. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est un truc que je fais souvent. C'est quand tu demandes aux gens ce qu'ils connaissent de Vercingétorix, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont aucune idée du vrai personnage et de ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est parce qu'en fait on a oui parce qu'il est on pense connaître coup, mais c'est... on a des infos et mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué du coup de se dire qu'il est surcoté par rapport à des choses qu'on sait enfin que les gens savent pas, tu vois, c'est toujours des trucs qui me ça te fait mal, je sais. Ah là là là, le classement et donc ça ne bougera pas, il est lock définitivement vers Vercingétorix, c'est donc surcoté. Aïe, c'est dur. C'est dur pour le joueur Verne là-dessus qui va se retrouver donc dans la catégorie des personnages de l'histoire surcotés. Ah là 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 là, terrible. Je comprends hein, mais c'est dur. Ah c'est dur. Merci beaucoup Thibaut pour cet éclairage évidemment sur les Gaulois. Je te rappelle si je trouve des chaussures gauloises aux The Event, je te rappelle. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Si j'en trouve. Merci beaucoup Thibaut. Salut. Évidemment, si tu as des interventions à faire, je reste un petit peu sur le Discord, donc si jamais, n'hésite pas, évidemment. Ouais, mais en fait, moi, je suis en train de faire mon parquet, mais si t'as besoin, t'hésites pas, tu m'appelles. Ok, ça marche, t'inquiète. Fais ton pas bon courage pour le parquet. Merci, salut. Bon, du coup, comme on le disait, on va faire ça de... On est donc sur Vercingétorix pour le début. Ensuite, est-ce qu'on le fait par ordre chronologique? Je suis en train de regarder. Est-ce qu'on le fait par ordre chronologique? Tac. Je suis en train de checker. Martel, Mazarin. Ou est-ce qu'on le fait au parquet alors? Terrible mais véridique. Ah, terrible mais véridique. Hein. C'est ça le truc du vrai parquet, ouais. Genre le parquet. Bah, le parquet de la chaîne Histoire Appliquée en tout cas. Messieurs, dames, Louis XVI, qu'est-ce qu'on garde de Louis XVI? Évidemment, Louis XVI, on le rappelle... Aïe, Louis XVI. Louis XVI, sujet qui ne va pas être simple, hein, évidemment. Le bon roi Louis XVI. Je pense que Louis XVI est un seigneur qui a quand même été largement décrié et largement sous-coté. Je crois que dire PTDR, c'est qui, ce serait méchant. Je pense que c'est un personnage de l'histoire extrêmement sous-coté, qui avait des passions, je crois, très, très diverses, très, très intéressantes. Alors évidemment, Louis XVI. Donc, tac, cérémonie du sacre. Attendez, on va dire Louis XVI, tac. Qu'est-ce qu'on tombe quand on tape Louis XVI? Louis XVI, le roi incompris. Et ben voilà. Louis-Auguste, troisième fils du couple héritier de la couronne, formé par Louis-Ferdinand et Marie-Joseph de Saxe, n'est pas destiné à régner. Son éducation très savante ne le prépare donc pas... C'est vrai que c'était un savant, Louis XVI, c'était un grand savant, ouais. ...concrètement à monter sur le trône. Pourtant, à 11 ans, il devient dauphin de France suite à la mort prématurée de ses frères puis de son père. Afin de sceller la réconciliation franco-autrichienne, le futur Louis XVI épouse, à près de 16 ans, Marie-Antoinette dans la chapelle royale du château de Versailles. 4 ans plus tard, il est couronné roi suite au décès de son grand-père, Louis XV. Réaliste face à la difficulté... J'avais zappé ça que Louis XV, c'était le... J'avais zappé que Louis XV, c'était le grand-père en fait, de Louis XVI, c'était pas son daron, en fait. Putain, lui, en vrai, il est devenu... En vrai, il est devenu roi de France, mais... Mais punaise, ça s'est pas joué à grand-chose, quoi. En vrai,
Le truc, c'est que Louis XVI, il a fait deux choses. Je crois que c'est déjà, il a payé les pots cassés de ses prédécesseurs. Et en plus de ça, il a pris quelques mauvaises décisions au moment des états généraux. Le fait de... Je pense qu'il aurait dû plus encore écouter ce qu'avait à lui dire le tiers état aussi. Et je pense qu'il n'a pas été assez à l'écoute, malheureusement. Ça lui a coûté un petit peu cher, quoi. Difficulté qu'il attend, il déclare. Vous savez que ça me donne envie de jouer à Crusader Kings 3. Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous. Nous régnons trop jeunes. La de France, c'est énorme. Oui, il a tout fait. Les deux époux ayant peu de choses en commun, leur union reste infructueuse pendant 7 ans, avant de finalement donner naissance à 4 enfants. Décrit comme timide et un peu gauche, le roi, quand il ne chasse pas, aime se retrancher dans sa bibliothèque. Je vais vous expliquer. Merci beaucoup, Orcaz. Merci pour les 29 euros qui me dit Penarbed RPZ, donc le Finistère, bien sûr. Tu ne pourrais pas rajouter Anne de Bretagne à la tier list. Pas tout de suite. Merci beaucoup, TP Toto. En fait, je pense que, à mon avis, Louis XVI ne respectait pas, on va dire, les cadre peut-être de la martialité ou en tout cas de la virilité de l'époque, tu vois. Et c'est vrai que comme il était un roi intellectuel, on pouvait se moquer de lui. C'était pas forcément un roi guerrier comme le pouvait être par exemple Louis XIV. Je pense pas qu'il respectait du coup certaines chartes de l'époque, qui fait qu'il a eu un peu mauvaise presse aussi, quoi. Donc voilà. Et c'est dur. Dans le premier temps, il était assez chaud pour le changement. En plus, le premier temps, on avait une forme de royaume parlementaire qui était positif, le peuple était content. Ouais, mais après. Oui, il y avait une sorte. Oui, parce qu'en fait, à la base, à 1789, il a. Après, c'est lui aussi qui a fait le choix de partir. Donc, il a fait le mauvais choix de vouloir partir au moment où il y avait effectivement un modèle un peu comme on pouvait avoir au lendemain de la Révolution française, une sorte de comment dire, de roi et d'une assemblée, on va dire. Ouais, d'une république avec de la royauté en même temps, quoi. Donc un système électif, mais avec un roi comme on peut avoir en Angleterre aujourd'hui. Sauf que lui, bah, il a voulu jouer au plus malin, il est parti. Et donc on a eu le fameux épisode de la fuite de Varennes, où eh bien, le roi de France s'en va avec sa famille au petit matin pour essayer de rejoindre les puissances étrangères, pour essayer de reprendre son trône et le pouvoir total. Sauf que eh bien, malheureusement, il a été capturé à Varennes. Varennes qui est dans l'est de la France, donc. Et c'est assez rigolo parce qu'on en avait discuté dans un live histoire il n'y a pas longtemps avec Pape Saint-Garavelou, mais Quentin de Luermoz. On avait parlé justement de la fuite de Varennes, et qu'en gros il y a des historiens qui ont recherché parce qu'en fait le roi, tu peux le tracer presque minute par minute dans son trajet jusqu'à Varennes. Et en fait, il a été rattrapé, mais genre, ça s'est joué à 10 minutes. Et en fait, ils se sont rendu compte que en fait, le roi, il a perdu trop de temps sur des petits moments sur la route. Et qu'en fait, il aurait dû arriver bien plus vite que ça, normalement, aux frontières. Et que ça s'est vraiment peut-être joué à 10 minutes, à rien du tout, quoi. Donc voilà, il a juste hint, en fait. Monarchie constitutionnelle. Merci beaucoup, Nico, j'avais plus le mot. Il a apparemment été aidé par ses frères aussi, le futur Louis XVIII et Charles X, qui lui ont bien savonné la planche. Ah, ça. Donc voilà. Ah oui, dans la vue chronique, ouais, c'est ça exactement. Et c'est lui qui s'est fait décapiter, pas Louis XIV. Ouais, c'est lui qui s'est fait décapiter, ouais, tout à fait. Il s'est fait décapiter. Place de l'obélisque à Paris, qui est la place de... Et j'ai un trou, la place de l'obélisque, là, comment ça s'appelle ? Place de la Bastille, c'est pas Bastille, c'est l'autre. Vous allez la voir. Mais il s'est fait guillotine en 1793 ou 92. La Concorde, merci beaucoup. Place de la Concorde à Paris. Voilà, donc il s'est fait... Place de la Grève, c'est ça. Place de la Concorde, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ça c'est une célèbre peinture de la fuite de Varennes. En fait, en gros, donc Louis XVI arrive à Varennes, et il est reconnu par l'Inde, et il veut bien changer ses chevaux. Parce qu'à l'époque, en gros, quand vous aviez des chevaux, en fait vous gardiez pas tout le temps les mêmes chevaux, vous pouviez parfois changer les chevaux si vous pouviez le faire, ou les reposer en tout cas. Et donc il arrive dans une auberge, et donc le mec qui doit le servir, et ben en fait la légende veut que Louis XVI lui donne une pièce, et qu'en fait il voit la pièce, et il compare le profil avec celui du roi, et donc il se rend compte que c'est Louis XVI. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, quand tu repères quelqu'un, une personnalité publique, tu ne sais pas à quoi il ressemble. C'est-à-dire, on te dit, vous allez accueillir Molière. T'es en mode, mais je ne sais pas à quoi il ressemble, Molière. Je...
je ne sais pas à quoi, enfin je sais pas qui c'est le man, parce qu'en fait il y a pas beaucoup de gravures, il y a pas de journaux avec beaucoup d'images fiables de la personne, donc en fait et en fait du coup ce qui fait que bah tu sais pas à quoi ressemble le gars. Et donc il a réussi à le reconnaître grâce à ça. Et donc il prévient les révolutionnaires et donc ils viennent chercher. Donc là on voit donc le roi donc Louis XVI ici habillé en civil. Donc le Louis il l'appelle Louis Capet. Et donc qui est juste ici et il vient se faire chercher par les révolutionnaires qu'on repère leur bonnet phrygien caractéristique sur ce genre de représentation. Merci beaucoup Asphex, merci beaucoup Zoubi du Cap, ma maman est prof que tu as eu en CE1, t'en as fait également. Oh, ma prof de CE1, mais jure, mais comment, c'est à dire quoi, donc ta mère c'est ma prof de CE1, mais elle se souvient de moi, c'est impossible, comment c'est possible Asphex? C'est ouf, merci beaucoup l'alchimiste. Bonjour, alors comment ce jour de mon rêve? Mais ça se passe très bien, on est chill, écoute, ça se passe bien. Merci beaucoup Valou pour les 7 euros aussi. Merci, si j'ai regardé live pendant que je passais mon DAC, peut-être que je n'aurais pas 7 sur 20. MDR, t'es génial, merci beaucoup. C'est ouf. C'est qui le mec qui met la main sur son visage? Je sais pas, ça doit être des amis du, ça doit être des conseillers du roi, je pense. Hein. Donc voilà. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup au casque qui a donné 29 euros aussi. Non, ça c'était tout à l'heure. Et la chimiste qui a donné 10 euros. Donc on est bon, on est à jour. Punaise, mais il va falloir qu'on joue à FIFA aussi. Attendez, je vais regarder, je vais demander. On va voir. Attention, match de Simi, ouais, je regarde. Donc, et ce qui est assez rigolo sur l'épisode de Varenne, c'est que vous savez, on n'arrive pas trop à savoir à quel point c'est un événement historique marque l'histoire. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu réalises un événement, tu te dis, est-ce que ce que je vais faire va marquer l'histoire? Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a des témoignages assez directs des gens qui étaient justement sur place, donc eux, les fameux révolutionnaires, qui lorsqu'ils ont capturé le roi de France, ont dit, et on a des sources de ça, ils expliquent qu'ils font l'histoire. Et ils savent à ce moment-là, ils sont en mode, ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire, ça va marquer les esprits, et on appellera peut-être ça la fuite de Varennes pour des siècles et des siècles, quoi. Donc c'est assez cool. Donc trop stylé, hein. Trop stylé. Donc, roi incompris, mais du coup, on avait la vidéo ici. Loin de l'étiquette qui l'ennuie. Sous son règne, la France connaît de grandes avancées scientifiques. Le navigateur Jean-François de La Pérouse se voit confier Jean-François de La Pérouse. Alors, La Pérouse, il faut savoir que c'est la meilleure attraction du Puy du Fou. Et on est d'accord avec Thibaut là-dessus. C'est La Pérouse qui est une attraction exceptionnelle. Autant j'aime pas le Puy du Fou pour beaucoup de choses, autant l'attraction sur La Pérouse et les décors, ma. Plus grande expédition maritime jamais réalisée sous l'Ancien Régime. Tandis que les frères Montgolfier effectuent les premières expériences aéronautiques avec leur célèbre ballon gonflé d'hydrogène. Ah, sérieux, c'est en 1783, je pensais que c'était plus tard, je pensais que c'était 1850 les Montgolfières. Ah la vache, punaise, on était un pays, ça commence quoi. Moins, sa gestion du royaume en bon père de famille et ses démarches stériles pour freiner les dépenses conduisent à une désacralisation du pouvoir. Les courtisans désertent Versailles au profit de Paris. Et après la campagne militaire en faveur de l'indépendance américaine, marquée notamment par la victoire de Lafayette à Yorktown, la France est au bord de la banqueroute. En vue de traiter la crise rencontrée, Louis XVI convoque les États généraux, signant les prémices de la Révolution. Réveillé pendant la nuit du 14 juillet 1789 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt venu lui annoncer la prise de la Bastille, le souverain demande « Mais c'est une révolte ?» Et le duc de lui répondre « Non, sire, c'est une révolution. » En octobre, le peuple envahit Versailles et impose à la famille royale de résider désormais au Palais des Tuileries à Paris. Au bout de 2 ans, face à la déliquescence de sa suprématie, le monarque prend la fuite avec femme et enfants. Arrêté à Varennes, cette tentative est vécue par le peuple comme une nouvelle trahison. Et voilà. Le 21 septembre 1792, la royauté est officiellement abolie en France.
aboli. Tra, c'est dur. Le problème, c'est que, et là, ça pose, et là dans notre tier list, ça, c'est vraiment dans sa défaveur. C'est que c'est à cause de lui que c'est tombé, quoi. Après, il va y avoir la restauration, etc. Machin, on s'entend. Mais il est un peu responsable. Malheureusement, il est. C'est comme dans une équipe de foot, quoi. C'est-à-dire que parfois, tu payes les pots cassés de tes prédécesseurs, et là, bah, c'est pareil, quoi. Louis XVI perd alors tous ses titres. Jugé par les révolutionnaires, il est guillotiné 4 mois plus tard. Ses derniers mots à son. Non, c'est énorme parce que je reconnais l'endroit où a été peint du coup maintenant. Jugé par les révolutionnaires, il est guillotiné 4 mois plus tard. Ses derniers mots à son bourreau auraient été « Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Waouh. T'es royaliste ? Et si je l'étais ? Est-ce que je suis royaliste ? Bah merci du coup. Suis-je royaliste ? Et si je l'étais ? Parce que ça change. Et si tu es royaliste ? Eh bah c'est mort mec. Eh bah ça dégage. Bouffon va. Le mec bouffon va. Comme tous les historiens mainstream. C'est que... Non, tous les historiens mainstream sont pas royalistes. Je pense que c'est sous-côté. Merci beaucoup à Dédiez. Moi, je mettrais vraiment en sous-côté pour le coup Louis XVI. Sous-côté pourquoi ? Juste parce que, ben, on l'a toujours vendu comme un roi faible qui était... on va dire c'est à cause de lui que tout est tombé, etc. Alors oui, il a fait des erreurs, mais c'est quand même un roi qui a connu quand même des... Enfin, il a pris très cher, quoi. Donc il a pris pour moi, il est sous-côté. Il a pas tant fait au final. Il a pas tant fait mal. Il a essayé... Ben si, mais c'est pas sous Colbert, justement, qui essaie de régler les problèmes. Attendez. Non, Colbert, c'est avant... Colbert, c'est bien avant, je dis n'importe quoi. Mais il a essayé d'avoir des ministres de finances. C'est qui son ministre des finances à Louis XVI ? Ministre finance Louis XVI. Ministre finance Louis XVI. C'est Necker, voilà, c'est Necker. C'est Necker qui a essayé de sauver les meubles, mais bon, Necker qui a pris... Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Il a pris la grosse tête, un peu. Terrible. Perso, je dirais le roman national, car on en a fait un bouc émissaire. Non, pas roman national, faut pas abuser. Faut pas abuser, je suis pas d'accord. Louis XVI. Non, c'est pas Louis XVI, c'est Louis... L'arrière-arrière-grand-père de Rivenzi. Coucou fiston, merci beaucoup pour les 7€, grand-père. Monsieur Grumble qui donne 7€. Aussi, merci beaucoup. Pour moi, il est sous-côté. Mais après, il est aussi incontournable d'une certaine manière, et ça, je suis d'accord. Il est incontournable dans la manière où bah, il était là, c'était le roi à ce moment au moment de la Révolution française, quoi. Et roman national, ce serait plutôt pour moi... Si le roman national avait vraiment rendu la figure de Louis XVI positive, alors peut-être, mais c'est pas le cas. Messieurs, dames, là on arrive sur un gros bonnet. Là on est sur un gros bonnet. Bah on arrive sur un gros bonnet. On est sur un gros bonnet. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé. Le faute sera choisi parmi les piliers. On va le faire comme ça. On n'est pas sûr de le mettre en pilier, mais... Enfin, pas sûr de le mettre en faute, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir être mis. Napoléon aussi, parmi les fautes, c'est possible. Hein. On verra. Mais il faut voir. Il faut juste que je demande quand est-ce qu'on commence le...
on a encore un peu de temps. Donc on a le général de Gaulle. Bon, général de Gaulle, appel du 18 juin, la France libre, la 5ème République, des éditions, des, comment dire, des mémoires qui sont éditées chez Plon. Visionnaire avant l'heure aussi, hein. Difficile de lui mettre une zone d'ombre au général de Gaulle. En fait, ça fait quand même partie des personnages qui. La France qui a donné 1 euro, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Domiti qui a donné 108 euros, merci beaucoup. Pour les 108 euros, on se rapproche de la barre fatidique des 15 000 balles. Merci énormément. Merci beaucoup Domiti, merci beaucoup au Gaufrier Malicieux. Et la pièce de Varenne également qui a donné 1 euro. Bonne pièce, merci. La guerre d'Algérie quand même. La guerre d'Algérie, oui, c'est vrai, la guerre d'Algérie, oui. Ouais, c'était encore lui, la guerre d'Algérie ? Le mythe du résistentialisme. Mais oui, mais le mythe du résistentialisme... Attendez, la guerre d'Algérie, je regarde vite fait. Général... Alors, président de 5ème République. Oui, la guerre d'Algérie, ça reste un sujet assez tendu, ouais, effectivement. Président de 5ème République, 1959-1969. Après, le truc, c'est que, bon... La guerre d'Algérie, elle revient, quoi. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, c'est... Le truc de la guerre d'Algérie, c'est que c'est 54-62 et qu'il arrive en 59, quoi. Donc la guerre d'Algérie, en tout cas les affaires de l'Algérie, commencent 5 ans avant, quoi. Donc ouais, c'est chaud, hein. Il arrive en 58. Bah ouais, il arrive à 58 aux affaires, donc bon, mais... C'est lui qui met fin en partie, bah ouais, c'est ça. Manifestation de 61 à Paris. Ouais, mais attends. Non, mais c'est la manifestation des Algériens dans Paris, c'est ça? La manif de 61. Qui a été commémorée il y a pas longtemps. En vrai, manifestation des Algériens, je... Enfin, tu vois, c'est la police plus qu'autre chose, tu vois, je pense pas que ce soit lié directement à... C'était dans cette période-là, bah oui, les violences policières, c'était tout autre chose, quoi. Pilier, pas plus. Ah ouais ? En vrai, déjà, être pilier dans une... avec une histoire aussi récente, c'est chaud, moi, je trouve, hein. En vrai. Parce que, tu vois, il y a quand même beaucoup de personnages qui, le temps, fait que forcément, on les glorifie plus qu'il ne faudrait ou quoi. Et lui, tu vois, il est quand même dans cette période-là, tu mets pilier. Mais oui, évidemment, il y a la... question des, tu vois, tu juges sur des trucs hyper précis, et je suis d'accord que le truc des Algériens, c'est évidemment quelque chose de grave. C'est une manifestation qui a été faite par les Algériens en 1961 et qui a causé la mort de nombreux d'entre eux à cause de la police. Ça reste un événement assez marquant quand même, et qui a été commémoré il y a quelques jours maintenant, il y a 2 semaines. Et après, de là à dire, est-ce que c'est de la responsabilité du général de Gaulle? C'est pas lui non plus qui était... Enfin, il était pas avec les policiers à ce moment-là. Il y a Napoléon Bonaparte qui vient donner 21 euros en me disant... 20 euros en disant le faute, c'est moi. Il y a René Coty qui dit c'est moi le faute. Bah, René Coty. Il y a la France, pas n'importe laquelle, qui vient de donner un euro. Voilà. Faute Napoléon. Ah, attendez, Napoléon, on va voir pour le faute. On n'est pas sûr de ça, hein. Les morts, la question de l'esclavage, il y a pas mal de choses aussi. On est en mode le faute, mais il y a des discussions, hein. Il y a des discussions, hein. Il a abdiqué 2 fois... le faute. Après, création d'une police aussi efficace, l'ordre dans le pays. Ouais, après, bon, la liberté de la presse et tout, c'est particulier, quoi. Donc voilà. Go demande l'aide à Jean Massier. C'est vrai, ça, le code civil, après, c'est vrai. François 1er, le faute, ça pourrait, hein. On va demander à Jean Massier. Attendez, je vais voir Jean Massier. Ça se trouve, il va donner des débits. Attendez. Je vais sur le stream de Jean, on arrive, vous allez voir, je vous mets le stream de Jean ici, comme ça vous allez voir, je vais pas l'embêter, je vais pas lui demander de venir, je vais aller le voir lui vite fait. Hop là, tac. C'est les gens du Zeven qui se sont trompés en rentrant. D'accord. Ah ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi la faute. D'accord. Ce sera pour le lore, ouais. T'as de la visite, comme ça.
Pourquoi mon chat me prévient que j'ai de la visite avant que t'arrives, c'est fou. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, on est en train de faire une tier list. Tier list de quoi ? Personnages des... Ah, oh, je peux venir t'aider ? Je peux venir. Bah, on est sur un truc tendu, là. Vas-y, dis-moi. On est sur Général de Gaulle. Et donc, d'un on, pays a, qui débat. On est sur deux catégories. C'est-à-dire qu'il est quand même dans le haut du panier. Et donc, on a le faute, donc le français of all time. Et on a, et donc il n'y en aura qu'un seul. Et on a les piliers juste en dessous. Est-ce que De Gaulle peut être le français out of time ? Ça, c'est une bonne question. En fait, en gros, on est en train de chercher les zones d'ombre quand même du général De Gaulle. Parce que quand même, c'est un personnage qui... aujourd'hui peu de... c'est pas un personnage qui fait beaucoup débat en vois, fait en fait le problème qu'on a c'est qu'en fait si mais en fait parce qu'il y a deux généraux de Gaulle, c'est ça le problème, c'est que t'as le général de Gaulle de la Libération et t'as général de Gaulle président de la Cinquième République. Et du coup on a gardé le souvenir politiquement, on a beaucoup gardé le souvenir du gaullisme en tant que doctrine politique et que type de président qu'a donné mai 68, donc c'est un mec très contesté dans sa manière d'exercer le pouvoir, et en même temps ça reste le chef de la résistance de la Libération, etc. Est-ce que tu peux mettre ça faute au-dessus de tout? Est-ce que t'en as un autre avec lequel t'hésites ? On est au début de la tier list, mais il y a déjà des noms qui ressortent, comme t'as Napoléon qui ressort, qui a aussi des zones d'ombre, tu vois, clairement. Mais c'est ce que disent des gens, je ne dis pas... Je mettrais moins Napoléon. On avait dit qui encore dans les fautes ? On avait... certains mettaient Charlemagne aussi en faute. Toi, tu fais que des chefs d'État ? Parce que là, il n'y a que des chefs d'État, d'accord ? Non, on avait aussi... Tu fais personnages historiques au sens large. Il y a Jean Jaurès aussi qui est dedans, on a des femmes aussi. Jean Jaurès, c'est l'unificateur de la gauche. Marie Curie, plus davantage, je pense. Marie Curie, davantage. T'as Louis XIV aussi qui est dedans. On n'a pas que... Vraiment, on a de tout. Hein. Pour le coup, on a 50 personnages, je crois, au total, qui sont dedans. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. On a Louis Michel qui est dedans, par exemple. Ouais, Victor Hugo. C'est compliqué, ouais. Écoute, le général de Gaulle, pour moi, est un minimum un pilier, évidemment. Est-ce qu'il peut prétendre au titre de faute ? Oui, il peut prétendre au titre, parce que des gens le mettront là, et je l'entends, et je le comprends. Est-ce que moi, je le mettrais ? Non. Frères Lumière, ils y sont, tout à fait. Les Frères Lumière, ouais. Mais même en personnage politique, il y a probablement des gens que je mettrais davantage... Et vers le faute à la fin. Ah, mais le faute sera fait à la fin. Mais le faute sera fait à la fin. C'est juste qu'on prend pour l'instant. En fait, on prend un peu dans l'ordre qu'on a mis au hasard. Ouais, je comprends. Et après, on mettra plein de piliers, et parmi les piliers, on choisira le faute parmi les piliers à la toute fin. Mais du coup, je prends déjà ton argumentaire. Bah écoute, retiens ça et on en reparle si tu veux. Tu fais le faute. Et je te dis, tu m'aideras aussi sur les. Avec plaisir, n'hésite pas. C'est dur comme question, ça. Peut-on mettre dans une tier list, peut-on mettre le général de Gaulle en français? On est de retour. C'est chaud, hein. C'est chaud comme tier list. Hein. Donc, bon, en tout cas, on est à peu près sûr. Et Jean est d'accord avec moi pour dire qu'on est sur pilier. Il me semble qu'on va... Donc on est sur pilier. Jean Moulin. On a mis Jean Moulin ? Est-ce que Jean Moulin est dans la tier list ? Oui, il est dedans, je l'ai vu. Jean Moulin, je l'ai vu dans la tier list à un moment donné. Oh, ils n'ont pas mis Jean Moulin ? Non, jure. Ah, Jean Moulin, il est de débat. Jean Moulin, il y a débat. Parce qu'on a mis... On n'a pas mis Jean Moulin ? Putain. Il va falloir qu'on rajoute Jean Moulin quand même dans la tier list. C'est pas grave, on rajoutera des gens au fur et à mesure si jamais. Il faudra Jean Moulin. Jean Moulin mérite pilier, il donne sa vie. Ouais. Il est pas dedans, il faudra qu'on le rajoute. On va sauvegarder, on va save. On y va là pour un. Est-ce que tu m'entends, EO ? Cédric, est-ce que tu m'entends, EO ? Yes. Ok, ça marche. Ok. Bon, du coup, on va laisser ça en pause vite fait. C'est moi ! Merci ! Jean Massy en fond. Jean Moulin sur côté. Non, mais attendez, restons calmes. On verra, on choisira, bien sûr, évidemment. Sachez de toute façon que cette tier list est une tier list complète, exacte et objective, hein, bien sûr. Cette tier list est là pour faire l'unanimité, je le rappelle. Sinon, nous n'aurons pas réussi notre objectif, mais elle est là pour faire l'unanimité totale chez tout à chacun. Donc voilà, c'est le but. Jean-Luc Mélenchon, faute. Non mais calmez-vous. Ça y est, ça c'est les mecs de gauche qui sont arrivés de chez Jean Massier là. Non mais calmez-vous. On vous voit. On vous aime bien, mais on vous voit. Vous faites beaucoup de bruit. Le gendarme. Oh le taille, ouais, ça va. Mais... On vous a vu arriver. Bon messieurs, dames. C'est l'heure, messieurs, dames. It's time. Merci beaucoup, Mary Carey, qui a donné... Messieurs, dames, il est l'heure.
Il est l'heure d'aller jouer face au Crouton. Il est l'heure du FC Silmi, messieurs, dames. À la manquenne, il est moins 5, la foule se déchaîne, le rouge est mis dans toute la ville, le stade brestois joue à domicile. Allez, allez, bref, allez les rouges, du nouveau à l'ouest, la marée rouge. Allez, allez, bref, allez les rouges, il se lève à l'ouest, le soleil rouge. Le rouge est de l'île ou d'ailleurs, à Brest, il est la couleur des meilleurs. Que Vienne, Nantes ou bien Saint-Étienne, on les mangera à l'armoricaine. Allez, allez, Brest, allez les rouges, du nouveau à l'ouest, la marée rouge. Allez, allez, Brest, allez les rouges, qui se lève à l'ouest, le soleil rouge. On gagnera, nous le club par ouest, on le jouera une fois dans l'ouest, si ça ne va pas. Messieurs, dames, bienvenue, évidemment pour un événement tout particulier, je vous demande de faire un maximum de bruit, évidemment, pour votre attaquant, qui va encore une fois faire des équipes sur son côté gauche. Faites du bruit, évidemment, pour le numéro 29. Je nomme évidemment le match fini, la peste continue. Pierre Beau dans toutes les rues, sa pierre, sa il est là, il est là, messieurs, dames. Il est là. Quartier, fête en face. Allez, allez, Brest, allez, les rouges. Du nouveau à l'ouest, la marée rouge. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Bonjour. Attention, nous accueillons un historique du Stade Brestois. Attention. Hop là. On est bon, messieurs, dames, je suis de retour. Nous voilà évidemment arrivés pour cette... C'est l'heure du match face du FC Silmi. Alors, on va temporiser un petit peu. Il faut qu'on recrée certains de nos personnages, évidemment. Il faut qu'on fasse des... Putain, tu sais, le mulet commence déjà à partir en couille. Il va falloir que je le brosse, mon mulet. Putain, il est déjà immonde. Putain, il est déjà dégueulasse, le mulet, là. Putain. Voilà, on est bien comme ça, là. Hop là. Voilà, on va aller créer nos joueurs, etc., machin. Voilà. Je crois qu'on l'a trouvé, le faute, à mon avis, hein, le français of all time. Je crois qu'il est tout simplement devant vous, le français of all time. Il me semble qu'il est juste là. Ah là là, on va dire que tu t'es échauffé. Ouais, mais bien sûr, évidemment. En tout cas, sachez qu'on continuera après le match. On continuera la tier list des Français of all time. On continuera et peut-être qu'après on ira faire des petites games de Call of Duty avec Shaw H1, ce qu'il m'a proposé, et puis ça pourrait être cool. Ça pourrait être très chouette. Alors attends, je vais juste bouger un petit peu. Voilà, on va mettre ça plutôt comme ça, ce sera mieux. Donc on va pouvoir faire ça comme ça. C'est l'air de grasser, pas du tout. Oh, ça ne gratte pas. Sachez que c'est un mulet de très 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 grande qualité et que non, il ne gratte absolument pas. Hop là, voilà, on est là. D'ailleurs, il va falloir que... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... J'y pense, mais il faut que je bouge maintenant ma caméra. Parce qu'en fait, si on clique sur le jeu, en fait, le jeu nous kick des matchs. Donc il faut mettre la cam, je pense, plutôt en bas. Et la cagnotte globale, on va la mettre en haut. Tac, 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 tac. La cagnotte globale. Elle est où, la cagnotte globale? Elle est... Ouais, elle est là. On va la mettre ici, là. Voilà. Juste au-dessus, ici, là. Voilà, merveilleux.
Sur PC, ouais, on va jouer sur PC, ouais, parce que c'était compliqué de ramener les PS5 pour tout le monde et tout, c'était pas simple. Merci beaucoup Rido qui a donné 27 euros, merci beaucoup Let's Go qui a donné 7 euros, merci beaucoup Carbuff qui a donné 29 euros, bien sûr. Napoléon Bonaparte qui avait donné tout à l'heure, c'était tout à l'heure Napoléon Bonaparte, non, qui a donné 1 euro il y a 5 minutes. Pilier Louis XIV de Gaulle Saint-Louis, Mary Carey qui a donné 9 euros tout à l'heure, ça c'était tout à l'heure évidemment. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un mulet, vraiment. Tout à fait. Donc ça va play quoi. Ça va play like Carbuff. On est bon, on est bon. Donc bon, punaise, déjà il va falloir déjà changer cette merde de caméra là. Parce que les caméras elles vraiment pas top. Et voilà. Mais en vrai, ça vous a pas mis dans un bon mood en vrai de faire la tier list des Français. En fait, ce que je disais, et c'est ça que je voulais dire, c'est que je ne la mettrai pas sur Twitter, je pense, cette tier list. J'ai trop peur que. Vous connaissez Twitter. Est-ce que vous connaissez Twitter ou pas? Ouais. J'ai très peur que si on la met sur Twitter, on ait une certaine frange. Bon, de... que devrais-je dire? Une certaine France qui viendrait nous dire oui, vous n'avez pas mis Saint-Louis en faute, comment est-ce possible? Jean Jaurès, vous l'avez mis parmi les piliers, comment est-ce possible? C'est pas imaginable. On va éviter. On aura une certaine idée. Oh, sinon, je me serais fait une certaine idée de la France et ce serait un peu dommage, quoi. Le grand Saint-Louis, bien sûr, évidemment. Saint-Louis, qui est vrai que vous savez que je crois qu'on va regarder docu sur Saint-Louis parce que Saint-Louis, c'est vraiment un personnage que je ne connais pas du tout. Que j'ai pas du tout vu, en fait. Ouais, super. C'est un personnage que je ne connais pas du tout. Saint-Louis, ou très peu. À part au-delà des croisades, j'avoue, je... C'est pas un personnage que je suis beaucoup. Voilà, Vercingétorix, bien sûr. Vercingétorix qui est resté en surcoté, on va pas se le cacher, qui est un bon surcoté, quoi. Tu vas d'un coup, intéresser tous les royalistes. Ah bah, ouais. Ça, c'est sûr qu'on va les attirer, ouais. Allez, hop. On va aller créer notre pro et ce sera bon. À moins qu'on ait peut-être transféré le pro d'un truc à l'autre. Parce que vu que j'avais Carbuff que j'avais déjà créé depuis sur l'autre truc. Adrien Nougaret, faute, il y a zéro débat, c'est ça. Le Saint-Louis full roman national. Oui, c'est très roman national, mais bon, on ira voir. Merci beaucoup au donateur anonyme qui vient de donner 7 euros, bien sûr. Merci beaucoup à Pénerfin, qui a donné 1 euro il y a tout à l'heure. Chromette qui a donné aussi 7 euros pour le FC Silmi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais voir si sur Discord, on a commencé à se mettre quelque part sur Discord du Z-Event. Hop, je me mets dans le Discord là où est Pompon, en attendant. Et puis voilà, quoi. Et ce sera pas mal comme ça. Donc voilà. Tu joues en alternative? Oui, je joue en alternative, effectivement. Je joue effectivement en alternative, bien sûr. Est-ce que mon perso... Oui, jeu positif, d'accord. Message de l'équipe IA. Oui, bah on va pas insulter des gens, hein. Oh, elle a pris à manger de fou, là. Ah ouais, ça se la régale. Oh, regardez ce qu'elle a fait. Ah ouais, ça se l'est régalé, là, du côté de angle droit. Putain, non mais angle droit qui se fait plaisir, quoi. Ça mange, hein. Faites un petit tour du The Event, bien sûr, pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que ça se passe autour. Regardez, vous êtes là. Dites-vous coucou. Regardez, vous êtes ici. Et juste ici, on a tous les gens qui sont là. Regardez, vous passez à la télé. Coucou, coucou. Maman, je passe à la télé. Oh, regardez, vous passez à la télé, c'est faux. Là, c'est mon meilleur profil ici, comme ça. Stylé ou pas? Le truc Carbuff en Tarsowski et The Virus. Exactement. Exactement, exactement. On est là, hein. On est là ou pas? On est là, hein. Oh, on est là, bro. À deux doigts de rentrer sur le terrain. Mais bon, on n'y est pas encore, je crois. Il faut qu'on temporise un tout petit peu, il me semble. Et après, on va être bon. Faut se penser à nettoyer le nez, par contre. Ouais, bah après, ça va. Écoutez, c'est comme ça. Salut, Saokis. Et merci beaucoup encore une fois. Alors, du coup, faut que je déplace le Discord. Hop là, voilà.
Merci beaucoup à Dan Bézage qui vient de donner 27 euros. Merci, merci beaucoup. Du Guéclin 1 euro, du Guéclin 100%, du Guéclin pourquoi pas. Merci beaucoup, merci énormément. Merci pour le soutien de toutes et tous, évidemment, pour cette cagnotte qui ne fait que grimper. On est à 1 700 000 euros, en effet. C'est fait les 1 700 000 euros ? 1 700 000 euros, quasiment 1 700 000 euros. Putain, c'est ouf. Je crois qu'on avait atteint l'année dernière à... On avait atteint à 18 heures le premier million, il semble. Il me semble. Jouer... Et c'est Club Pro. C'est Club Pro. Est-ce que ça a conservé d'une année à l'autre ou il faut que je refasse depuis le début Carbuff ? Ou pas ? Ou est-ce qu'on peut play ? Oh, regardez, il y a Carbuff ! Oh oui, Carbuff est là ! Oh, Carbuff, il est merveilleux, Carbuff ! Mais ça va, du coup, je l'avais déjà. Oh, Carbuff est là ! C'est la c'est Carbuff PC. C'est le Carbuff PC. 19h, je crois. Ok, ok, ok. On a 24 heures d'avance. Ah, on a 24 heures d'avance ? The fuck, man. Du coup, on doit personnaliser un petit peu. Ah ouais, on a 24 heures d'avance. T'as le menu qui lag et tout sur PC, ça me détruit de rien. Du coup, on avait un style de jeu attaquant gauche. Et il faut qu'on change les... Il faut qu'on rajoute des points, donc... Oh, j'aimerais bien mettre un setup similaire à ce que j'ai d'habitude, mais je sais plus ce que j'ai. Je sais plus ce que j'ai foutu. Putain. Faut que je mette de l'agilité, sinon vitesse, agilité. Il faut de l'agilité. C'est un dribble... Équilibre, dribble, agilité, voilà, agilité, dribble, il nous faut de l'agilité encore, ça serait bien, agilité, ah il nous manque des points d'agilité, un peu de dribble quand même, il nous reste un point, mais non on a plus de points, voilà c'est bon, on est bon, on a fait un petit bonhomme et ça suffira. Je sais même pas les chiffres des tiers, ça fait plus de 2 millions l'année dernière, ça va encore exploser, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va faire. C'est gourmand les triple A quand même, ouais, non mais là c'est abusé. C'est abusé. Oh, par contre je suis en train de... J'embête complètement. Surtout dans les menus. Bah ouais, c'est ça, c'est ça lag dans les menus quoi, c'est un peu terrible. Oh, merci beaucoup Nantais Breton qui vient de donner 50 balles, merci, merci beaucoup. Énorme, merci énormément pour les 50 euros qui se rajoutent à la cagnotte et qui font grandir, grossir cette cagnotte. On peut en profiter pour faire un petit point peut-être sur les donation goals. Putain, pourquoi je fais ça ? C'est bon, le câble est revenu. Il suffisait de crier. Merci beaucoup Tomu qui a donné 10 euros aussi. Petit point sur les donation goals aussi. Tiens, faisons ça en attendant de voir où est-ce qu'on en aille. Donation goal, vous le voyez, juste ici donc, voilà. Nous sommes ici, voilà. Donc, on a 15 000, on est sur les 15 000 euros, la joue nautique, ensuite les 20 000 euros découverte des AMHE arts martiaux, 25 000 euros Ponce me refait le logo de l'OM dans les cheveux, donc ça c'est dans plus de 10 000 euros, voilà, on est bien. 30 000 euros, je passe enfin ma ceinture noire de judo, 50 000 balles, live histoire avec Stéphane Bern, il faut lui demander. Donc, il faudra qu'on gère ça. Il dégoûte franchement, IA pas proposé la Next Gen sur PC. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas le Nord. Pourquoi il n'y a pas la Next Gen sur PC ? Ça dégoûte. Ça dégoûte. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi ne font-ils pas ça ? Pff, Ça me fout en l'air. Et ça rend triste. Mais j'ai eu la tier list. Non, la tier list, c'est un fil rouge. La tier list c'est un fil rouge, on le fera. D'ailleurs, faut qu'on fasse la poterie aussi. Quand est-ce qu'on va faire la poterie, nous ? On va voir hein, pour la poterie, Live histoire avec Stéphane Bern, ça t'intéresse vraiment ou tu ranges ça dans le Gold Troll ? Mais ça m'intéresse vraiment. Ça pourrait être cool de discuter avec lui sur certains trucs, non ? C'est quand même un gars qui est hyper. Qui connaît vachement bien l'histoire et tout, quoi. Donc non, c'est pas un goal troll du tout. Donc voilà, donc ça on a joute nautique en tenue historique sur des bouées. Et on a encore la surprise aussi. Je fais le vrai mulet de Carbuff à 200 000 euros. Voilà, live cuisine ça a été fait. Non, live cuisine c'est pas pendant le The Event. Hein. Live cuisine ce n'est pas pendant le The Event. Nope. On a écrit ça va être minimum pilier, seule personne de l'histoire à deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Mais tu vois, mais on va en discuter.
On va en discuter, on va en discuter. Parce que souvent, quand j'ai regardé des tier listes, on a dû la faire la tier list parce que quand je cherchais une tier list, en fait, il y avait que des tier listes dirigeants ou des tier listes non dirigeants. Et en gros, t'avais soit d'un côté roi de France ou de l'autre, et t'avais que des rois de France ou des présidents ou quoi. Et de l'autre côté, t'avais les non-dirigeants. Et donc, je suis en mode, c'est dommage. Il faut faire une tier list qui les regroupe tous. Sauf que je comprends la difficulté de devoir essayer de différencier. Parce que tu vois, gérer le sort de la France ou d'un pays, d'une nation, est-ce quel point c'est différent de gagner deux prix Nobel. Enfin, tu vois, c'est difficile de le mettre sur la même strate, tu vois, pour le coup. Donc voilà, on est à 14 777 euros. On se rapproche petit à petit, messieurs, dames, doucement mais sûrement, de ce donation goal. C'est insane. Je sais pas si on a déjà arrivé, mais quand tu fais un live histoire sur la bataille de France de 1940, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé en live, mais non, je sais pas si on fera un live histoire dédié sur le sujet, mais j'en ai déjà beaucoup parlé en live. Ouais, c'est un sujet que j'ai un petit peu étudié pendant ces dernières semaines. On est où là de ce... On en est où? Est-ce qu'il y a des gens sur un Discord ou quoi? Est-ce que sur le Discord de PA à tout hasard il y a des gens? Non. Sur le Discord du The Event, est-ce qu'il y a le Discord avec... Attendez, on a... Non, il n'y a pas de Discord pour le FC Sydney. Punaise, mais c'est dingue ça. Apollon top 1 de la tier list nonobstant. Bah je sais, mais c'est chaud hein, de choisir. Hein. C'est chaud de choisir. De toute façon, je le rappelle, hein, le but c'est évidemment de faire la tier list la plus subjective possible. Vous savez quoi, on va continuer un peu la tier list à mon avis, non? Non, parce que là ça avance pas, on a dit qu'on allait faire le match et puis en fait ça se fait pas, ça va. Nous on a des choses plus importantes à faire que ça. Hein. On a des choses très importantes à faire, nous. Donc, attendez, la tier list. Elle était où, la tier list, là? Je l'ai mis où, la tier list? Elle était ici, je crois, la tier list. Tac. Elle était là, la tier list. Elle était là. Parfait. Donc, sur la tier list. Ah, j'ai loupé ça, alors. Mais non, mais on est au début de la tier list. Calmez-vous. Ensuite donc, le nouveau personnage ici que nous allons devoir traiter, personnage que je connais beaucoup, 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 beaucoup moins, qui n'est nul autre que... Attendez. Nouveau personnage de la tier list. Tac, 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 tac. Qui est juste ici, qui est... hop. Qui est... Juste avant Jean Jaurès, c'est qui? Voltaire? Ah, c'est Voltaire! Voltaire, personnage que je connais très peu. Voltaire, donc écrivain. Écrivain, philosophe, encyclopédiste et homme d'affaires français qui a marqué le 18e siècle, représentant le plus connu, le philosophe des Lumières, anglement de Féru. Ah, ils sont là, ça, Voltaire. Ok. Ouais, bien sûr. Yo, ça va, mon bro? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Eh bien, super. Et bon, on commence bientôt, tu crois? Bah ouais, là, il y a PA qui commence à faire le tour, ça avance, je crois qu'Étoile a plus ou moins réduit les risques de mort avec son PC. On a envie d'y croire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il avait encore des problèmes techniques, c'est ça? Ouais, il avait des problèmes techniques. Ouais, 1 7 million. Fabuleux, bravo. 1 700 000 euros, bien sûr. C'est incroyable. 1 700 000 euros. Bien joué. Les à tous. Là, je suis plus, dites-moi que vous m'entendez. Oui, on t'entend, oui. Faible, on t'entend. C'est bon, on est bon. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on t'entend. Alors sûr. Les mecs, je ne suis pas PA, mais je voulais savoir si le micro était bien. Ouais. Ça va. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien, le chat? Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je vous entends bien, en tout cas, les mecs. Parfait, super. Et ben, merveilleux, c'est un bonheur de savoir que ce micro marche bien. A tout à l'heure. A toutes. Non, je crois que je l'ai pas. Merci beaucoup aussi du coup Napoléon Bonaparte, okay, qui donne 1€ patachou, 33€. Hyperval Nord, 50 balles, c'était tout à l'heure. Hyperval Nord, si merci on va beaucoup. Régler, vas-y, je vais là sont les pétitions pour un Carve of Next Gen sur PC. Merci beaucoup Hyperval Nord pour les 50 balles. Merci beaucoup Tomu pour les 10€. Merci beaucoup, c'est très cool. Est-ce qu'Anne de Brosagne est dans la tier list? Non. Ok. Let's go.
On entend trop fort. Voltaire le est haut placé, mais pas faute, ça reconnaît. Sa reconnaissance internationale est énorme. Par contre, politiquement, bah, il a pas de puissance. Sur le Discord, attends. Ouais, c'est ça. C'est dans les faits. En fait, c'est son rayonnement en fait à Voltaire qui compte. Okay. Plus que vraiment son rayonnement, plus que le pouvoir direct qu'il a eu. C'est compliqué de le quantifier aujourd'hui, mais il faudra vraiment qu'on se pose la question de Voltaire. Il faudra qu'on se pose sur Voltaire. Il y aura une rediff pour la tier list, je pense. Mais en fait, la tier list, ça va être un fil rouge, ça va être explosé entre plusieurs trucs et tout. Ça va être chaud de l'avoir en entier. Hein. Parce qu'en fait, c'est long, hein. La tier list, ce sera ce soir, tranquillement. Des favoris pour PTDR, c'est qui? Je mets Mitterrand et Pierre Laval. Bah, sympa. Bah, sympa, tu sais. Ça, c'est du respect, bravo. Écoutez, on va aller dans le vocal. Parfait, salut, merci, salut les copains du Silmi là. Salut. Allez. Bonjour, bonjour, bonjour. Rivenzi MV. Bonjour. MV. Rivenzi. MV. Allez. Rivenzi. Oh non, merde, je vais perdre. C'est pas la Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions. Ah, Hervé Matou, ta gueule. Ah okay. Putain, ça, il faut que j'enlève Hervé Mat, c'est vrai. Pour enlever toutes les musiques. Oh, merci beaucoup pour les 40 balles, bien sûr. Hein. Merci beaucoup, Rémi 6, pour les 40 balles. Merci énormément. Ça vient s'ajouter à la cagnotte qui grandit. 14 901 euros, 15 mains. Messieurs, dames, quasiment les 900 000 euros. On peut pas laisser ça à 14 901 euros. On est à moins de 100 euros. Ah, si, c'est bon. Oh. Va-t-on débloquer avant le match du. Merci beaucoup Toon pour les 10 euros pour contribuer à la joute pour Thibaut. Alors peut-être peut-il aller chercher. Je suis là comme ça pendant 3 minutes. Rentez vite la carte de crédit. On y est presque en tout cas. Je suis d'accord, Laval dans les parties sous-mer de Pétain, c'est ensemble, mais il y a débat. Il n'y a pas de débat avec Pétain. Par rapport à la Première Guerre mondiale peut-être, mais par la suite, bon, il n'y a plus trop de débat quoi. Pour Pétain, il n'y a pas trop de débat. Là, je suis dans le vocal, on attend de voir. Qu'est-ce qu'il faut rejoindre comme club en fait? On m'a pas dit quel club il fallait rejoindre. Est-ce qu'il y a un FC Silmi qui a été créé ou pas? Club ami. FC. Ok, c'est bon, j'ai. Hop, choisir. Tac. C'est bon. Merci beaucoup, Elixir. Merci pour. Oh, les 100 balles qui ont été données par Elixir, bien sûr! Mais messieurs, dames, c'est un nouveau palier qui est atteint. C'est un nouveau palier, les 100 balles qui ont été données par Elixir. Et Comet qui a donné 7 euros. On a eu aussi Jackie Chun qui a donné 10 euros. Dissé qui a donné 40 balles. Et Yann Gart qui a donné lui aussi 10 euros. Et messieurs, dames, j'ai le plaisir évidemment de vous annoncer que, eh bien, ça y est, nous avons donc... franchi un nouveau palier. Nouveau palier évidemment exceptionnel puisque nous sommes arrivés à la somme de 15 000 euros sur le stream. Évidemment, vous pouvez tous vous féliciter. 15 000 fucking euros. Merci énormément. Merci à vous. Let's go. Merci beaucoup bien sûr. Incroyable. Il y a aussi 108 euros de Jérémy qui ont été donnés. Merci beaucoup Jérémy qui a donné 108 euros aussi. Incroyable. Et 108 balles de Jérémy. Merci beaucoup CSK. Rémasque qui a donné 10 euros. Lauriane qui a donné 2 euros. Les 15K GG. Merci beaucoup. Un donateur de Nick qui a donné 27 euros. Et merci beaucoup Rosberg. Rob Bizarre qui a donné aussi 7 euros bien sûr. Et les 29 euros
pour Max, pour mon âge, pour le Finistère, pour la Bretagne et surtout pour le fameux, fabuleux mulet de Carbeuf qui va nous régaler, continue comme ça, merci beaucoup pour les 29 balles, let's go, wouh, merci beaucoup. La joute est donc réussie et validée, vous êtes trop fort, félicitations les cerveaux et les neurones qui ont été utilisés, investis dans ce stream, vous avez fait un très 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 beau choix, merci, merci beaucoup. Et on va changer le prochain don, faire rapidement un petit point sur les donation goals qui sont à valider encore, mais celui de la joute, ce sera donc une joute, comme je disais, avec, on va mettre ça comme ça. Joute nautique en tenue historique sur les bouées. Ça, ce sera fait avec notre ami Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. On a le spot, on a les tenues, on a les bouées. Il ne nous reste plus qu'à caler une date. Et désormais, prochain donation goal, ce sera aux alentours de 20 000 balles. Et 20 000 balles, c'est découverte des AMHE. Découverte du combat médiéval, on va mettre ça. Découverte du combat médiéval en live. Voilà, on va faire ça comme ça. Tac, et on met ça à 15 000 euros. Et c'est validé de notre côté. Voilà, merveilleux. Ça va être fait. Hop là. Sinon, on va lancer en div 10. 73, non. Oh, sa gueule. Un petit div 10, là. Oh, il y a de la puissance là-bas. Ah, il y a sa gueule, sa gueule, sa gueule. Ouais. Non, en gros, donc là, en face de nous, on va avoir Sardoche. Le Bouzeux ou LR... Non, le Bouzeux, non. Donc LRB, Kamel, Kotei, Bibi, Gota, je crois. On va se faire enculer. Non, mais non. Et Edouard. Mais non, mais non, mais non, tout va bien. Non, ouais, je crois. En vrai, ça mais je ne peux plus lancer le jeu, moi, c'est énorme. Mais non. Ça... Quel bonheur sur PC, quand même, ce jeu, encore. Ah, voilà, là, avec 10 points, quoi. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup pour les 50 balles qui ont été données par le Breton. Les Bretons qui font chier les vacanciers, merci beaucoup à 50 euros, les 15K déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Maëlou aussi pour Maëlou à Sevanix, merci pour les 7 euros. Merci beaucoup, Vicolin aussi, merci beaucoup pour le mulet 5 euros. Merci beaucoup, Robin, pour les 42 euros qui ont été donnés. La paye d'alternance n'est pas encore tournée, mais la générosité est toujours debout. Merci beaucoup, Robin, 2-3-4. Merci beaucoup aussi. Bah ouais, déjà qu'on tape des mecs individuellement qui nous arrachent, alors. Oh, MV, t'as une voix, mec. Eh ouais. Juste envie de te pépon, en fait. Let's go. Ouais. Let's go. Je crois que d'ailleurs, en parlant de pépon, il me semble que Jijou avait une très belle question par rapport à comment est-ce qu'on rase nos couilles. Hein. Il me semble, Jijou. Ah, c'est vrai. Ah. Et bah, en fait, ce matin, c'est vrai que raser en live, non pas les couilles, heureusement. Raser les couilles en live. Mais plutôt le crâne afin de finir la flèche de Hang. Et on parlait rasage. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous utilisez pour raser les roubignoles, quoi. Parce que. 500 balles. C'est un peu technique, quoi. C'est un peu technique le rasoir électrique. Ouais, ça va et toi? Ok mec, ça va. Et toi, tu utilises quoi, DFG, pour te raser les Un Philips. Mais genre un rasoir électrique. Merci beaucoup Anonymous, ouais. un anonyme qui a donné 30 euros, merci beaucoup. Bah je te montre ça si tu veux. Bah ouais, super, ouais. Bah ouais, ça va. Ouais. Ça vous dit on fait ça, ouais. Ouais, bah ouais. Bah, c'est l'ambiance d'Esther, de toute façon, c'est Simi, tu connais. Bah c'est ça, c'est Simi, c'est pour ça que je voulais savoir un peu, voilà, quand ça part à la douche. Ouais, normal. C'est pas évident, mais moi ouais, je me suis déjà coupé une fois comme ça, et maintenant j'ai trop peur, quoi. Tu veux le faire comment, coupé sinon? Bah je me suis coupé, c'est-à-dire que bon, tu rases à la racine, quoi, tu rases les bourses, et puis voilà, ça ressemble à un charpé, quoi, le bordel. Donc il y a un moment où il y a clac, quoi, un bout de lame qui est passé. Eh les gars, on ferait pas un match d'entraînement là, ouais. Parce que Sakor il finit de télécharger dans 10 minutes. Ah bah ouais, moi j'ai juste envie de jouer vraiment. Attends, je regarde juste un build sur YouTube là. Vas-y. Avec mes... Qu'est-ce que je peux faire avec mes 10 points? Que dalle. Des nouvelles d'étoiles et ponces ou pas? Étoile est à côté de moi. Étoile. Moi je suis là, bro. Hein. Ok, parfait. Là, ouais. Mais non, mais dis pas en fait. On va faire une game de je peux faire R. Game. Petite game de chauffe. Alors je le rappelle évidemment, ne faites pas de alt-tap pendant les games, bien sûr. Ouais, pas de alt-tap. Bah, pas de alt-tap, les gars. Mais je l'ai mis en. Vous croyez qu'il y aura des gens? Non, mais vous l'avez. Pour le fenêtrer sans bordure. Ok, j'arrive. Mais en fenêtrer sans bordure, tu peux pas faire de alt-tap, ouais. Parce que sinon, ils pensent que c'est un cheat. En tout cas, sur le 21, c'était ça. Après, sur le 22, j'ai pas encore joué, mais. J'espère qu'en fenêtrer sans bordure, ça va pas faire ça parce que moi, je alt-tap tout le temps. Ah oui, moi, pareil. Donc j'ai mis sans bordure. Eh ben, on termine en plein game. Ouais. Pour de vrai. Il faut juste pas virus qui ressemble à Renault, les gars. Le vrai Renault. Là, on est dans une coupe sans règle. Moi, dans pour les le menus, coup. Ça lag, c'est horrible. Oui, c'est normal. C'est normal. Ouais, moi aussi, dès que tu passes en anglais, vraiment. Ça freeze. Merci non, beaucoup, merci beaucoup le VCR du Simi. Merci beaucoup. Quand je joue sur PC, c'est tellement plus fluide. Non, mais frère, non. Il n'y a aucun moment dans aucun monde. Si, je vois ce qu'il veut dire. En fait, le perso, il est un peu plus fluide, tu vois, mais.
Mais non, mais c'est gros, les menus sur PS5, c'est très bien. Oui, non, 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 mais clairement. Ah, bravo. Non, mais c'est vrai qu'on dirait que ça lag entre deux menus. Ouais, moi, ça, ah ouais, ça lag. Hein. Entre les menus, ça lag. Ah, je crois pas que c'est une impression, hein. Je crois que ça lag. Non, mais soyons très honnêtes, ça reste de la merde. Hein. Merci. J'espère que ça va pas être de la merde à game. Non, mais non, mais non. On est d'accord qu'on a tous nos, en fait, limite nos anciens persos de l'époque. Oui, c'est ça, du PC qui m'ont été importés et t'as que 10 points avec. C'est ça. Pensez à mettre vos atouts. Comme en début de saison dernière, en gros, pour le coup. Ouais. On n'a pas la bonne formation. Ah oh, putain, c'est un daron, le Connor de Virus, là, il a 40 ans d'un coup. Connor de Virus. Il commence que sa carrière maintenant en plus sur PC, donc il va falloir se dépêcher pour lui. Non, mais c'est importé de la dernière fois, c'est quand je le joue en mode Zidane. Ouais. En MO. Mais attends. Zidane. Moi, si je sais comment faire. Number one. Ah, du coup, on peut pas faire d'Alta, moi, c'est un enfer. Ouais. Non, on peut pas. J'arrive tout de suite les amis. Si, tu peux faire Alta, mais il faut que tu passes en borderless. Non, non, mais même borderless. Ouais, des fois ça bug. On conseille pas, quoi. Pas d'embrouille. Je pense qu'on conseille pas. Mais ça marche, coach. Vous avez mis votre maillot ? Putain, mais ça me dégoûte, y'a qu'un mec qui s'est changé en fait. Si, moi j'ai mis mon maillot. C'est quoi cette équipe de merde ? Moi j'ai honte, j'ai oublié mon maillot à l'hôtel, quoi. Moi je l'ai oublié aussi à l'hôtel à Paris. Je suis vraiment un bouffon. Vas-y, je laisse tomber. Mais non, la gige, oh ! Attends, toi y'a Clément qui me l'a passé, je vais le mettre. Voilà, bah lui, il est là. Voilà, voilà, merci. Oh, Karabaf, il est en full tout. Moi j'ai mis short. Ah ! Oh, bah ! T'as travaillé, les gars ! T'as boulot ! Tu crois qu'on allait faire un 5 après ? Le nouveau maître de l'air. J'avoue. Oh ouais, il est réussi. Hein. Monte derrière. Attends, on l'a bien bossé. Hein. Attends, ah bah, ils l'ont bossé à deux. Ah ouais, monte ton gros crâne là. Incroyable. Gros crâne de Jijou là. Je sais plus. On le voyait au fond là-bas. Attends, vas-y, je mets le maillot, magnifique, j'arrive. T'es magnifique comme ça, bro. Maillot. T'es vraiment, t'es beau, vraiment beau. Merci, mec. Regardez, c'est Def qui a récupéré. Superstore. Oh là 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 là. Superstore. J'ai perdu mon phone, moi, ça c'est quand même dingue ça. Ouais, alors, tu t'appelles ? Hein ? Comment ça t'as perdu ton phone ? Je sais pas, il m'arrive des trucs comme ça. Avec toute ta crypto dessus ? Putain, c'est abusé. Avec tout le wallet dans le marbre. Il a perdu son wallet de BTC. Allez. Putain, le wallet d'ETH. Je suis abattu. Le wallet. Oh ouais. Plus en mob, les gars. Deux dans les worlds là. Me dis pas ça, mec. Réaliser tes rêves. Alors, est-ce qu'on... Attends, parce que du coup, faut aller dans Tactic Club pour changer la Tactic Car. Tu es capable. Ouais, de réaliser. Mais en fait, ça va bien jouer, les gars. Il y a un monde où on se fait juste gifler. Hein. Ah, mais il y a moyen. Gifler, gros. Bah, on va se faire gifler. Le match n'est pas le match prévu, quoi. Et il y a un match où on est plus viriste, quoi. Bah ouais, on passe de Crouton à genre les Titans Colossaux, quoi. Donc, parce qu'il est pas là, le bouseux, du coup. Il n'est pas joué avec eux. Bah, si, mais finalement, il est bien moulant. Bah non mais les Inox et tout, je pense, c'est comme c'est leur premier event, ils sont bah non pas crevés mais ils se font, tu sais, c'est le truc, c'est chose, quoi. Ils sont chauds, quoi, tu vois, donc je sais pas si là ils sont en mood de lancer un jeu, quoi. Ouais, non, bon, mais clairement. Bon. Change la compo, je peux pas changer la compo là, moi, il faut donne le capitaine de team, Xav, comme ça. Ouais, je vais faire ça, mon pote, je gère juste les petits paramètres de jeu là. Les paramètres. T'as dit mon pote, j'arrive deux secondes, je mets juste les. Son pote à la compote. Les bons réglages vidéo et c'est bon. Au coach. Ah bah tu vois. C'est vrai que je suis parti au chiot avec et je l'avais. Mais c'est quoi, que je mets mais. Tu mets où? Intéressant. De quoi, Xav? Tu mets réalisateur TV, toi. C'était un humain. Merci. T'es un humain. Tu es capable. Réaliser tes rêves. C'est trop bien ce concert, j'ai adoré. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Comment ça? Ah non, il est avec. L'étoile, il est avec Samu. Il est avec le Star. Et oui, il m'avait dit qu'il jouait pas à son PC, il est ressuscité. C'est bon, ouais, il est ressuscité. Et ta voix, elle est ressuscitée ou pas? Pas ta voix, apparemment. Non. Tiens, je vais à Deep Throat du miel. Ah bah oui, là. Mets-toi ce que tu mérites. Mets-toi ce que tu mérites. Jusqu'à la dernière goutte. Avec le nectar des dieux. Ah ouais. Et là, le Xav, peut-être pour un capitaine à passer. J'arrive. Je bug, j'arrive. Xav, hésite pas. Comment on fait? Bah, tu passes le capitaine. Hein. Comment je fais pour te finir? Tu es capable. Ouais, vous êtes où, en fait? On est où? Ah, mais c'est Menu qui est. Là mais il manque un mec dans un club, non? Attends, mais vous êtes où là?
Bah dans la FC Simi. Merci beaucoup Steph pour les 27 euros. Merci match. Beaucoup. Non, j'enlève. On m'a dit que j'avais peut-être Hervé Matou, mais ça m'étonnerait, mais je regarde. Et j'arrive. Ouais. Moi, j'ai peut-être enlevé Hervé Matou aussi, tiens. Très bonne idée. Moi, j'ai Simon Brunet. Ah, je l'avais enlevé dans le. Ah, c'est Simon Brunet, c'est vrai ça. Tard l'époque, Simon Brunet. Non, mais ouais, tard l'époque. Là, mais toi, il avait l'air au bout de sa vie, ces gens. Non, ça va mieux là. Hein. S'il prend des roulettes, ça va être terrible. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, mec, y a pas de problème. T'inquiète, mec, je suis focus quoi. T'inquiète. Moi, je demande que de la roulette. Hein. Il me régale quand il est focus là. Hein. Hey, mais n'hésitez pas à les insulter, hein, vraiment, si on met un but. Hein. Ah, d'accord. Ah, même à par contre, patate ou quoi. On joue avec des 80-80. Par contre, il faut vraiment qu'ils prennent leur perso de merde. C'est contrôle de balle, contrôle orienté, une passe. Deux touches de balle, une passe. Hein. Deux touches max, hein, sinon on est dans les choux. Hein. Attends, c'est où le son de l'audio des matchs là? Ouais, pensez à régler vos trucs, hein, mettre en diffusion TV pour la vue, enlever les commentaires. Ah, mais non, mais je suis en quick match, what the fuck. Mais on n'arrive pas. Putain, c'est quoi cette merde là encore? Envoie ta manette, Xavier. Voilà. On n'attend pas Gigi, je sais qu'on n'attend pas, mais je peux rien faire, gros. Qu'est-ce que tu veux ? On n'attend pas. On s'entend pas. Si ? Non, moi on m'entend. Enfin, c'est trop chiant parce qu'en fait, je ferme ma gueule, vous inquiétez pas. D'accord, bon, mais on m'entend pas sur ton live, tu veux dire, d'accord. Faut changer la formation, quoi. Ouais, ouais, mais je. Faut donner au coach, là. Give everything to the coach. Ça va pas tarder à commencer les amis, on est en train de faire le premier réglage. Ça va être énorme. C'est match. Est-ce qu'on peut faire un récap de la compo adverse SVP? C'est match. Vous m'entendez bien? Si on t'entend Étoile, mais très bizarre de jeu, donc je t'augmente. Mais attends, faut que je t'augmente, c'est juste que moi je t'avais baissé de base. Vas-y, parle Étoile. Test. Ah ouais, super. Une fois que je vais réussir. Merci beaucoup Hugo pour les 10 euros. Merci beaucoup. Oui, ça va. Faut que tout le monde quitte la feuille de match. Quittez tous la feuille de match si jamais vous étiez dessus. Ouais, on t'entend Étoile. Ah, c'est bon, désolé. Non, mais t'as pas de soucis. Tu veux tester? Dinguette. Du coup, test. Je quitte la feuille de match. Attendez, quitte la feuille de match, c'est ça? Kameto, Kote. Attends, Gota, Inox, peut-être, je sais plus. Ah, mais Michou, il joue finalement? Et j'ai un commentateur sportif à côté de moi. Allez! Attends, je monte le son de radio, moi, je l'entends très peu. Tranquille, c'est moi, je pense. Mais Samuel Etienne, on l'entend pas. Moi, je l'entends pas d'où. C'est bon, les gars, on peut en venir, c'est la compo! Je vais le mettre que dans mon casque pour pas que ça. Oh, les 100 000 balles! D'accord. Allez, on est bon ou pas là? Okay. Ouais, les gars, on peut jouer. Là, si vous voulez, c'est. Ah là, Antoine VTuber. Je fais un truc de fou, je vais être multitask. On joue combien là sur la game? Sur la feuille de match ou pas? Combien? Ça va être lourd. C'est le combien qui fait mal. Allez, le petit club pro. Et pendant les matchs, on veut la team 1€. Hein. Bien sûr. Bien sûr, la team 1€ pour les matchs. Elle est présente cette team là ou pas là? Ouais, allez-vous la team. Il y a une belle team 7€ aussi cette année hein, qui est un peu plus... Ouais, il y a une team 7€. Ah, c'est grâce à la semence. Ouais. Anonymous qui fait 27 balles. Ouais. 27 c'est balles aussi, il y a des petites teams 27 balles. Hein. Et chaque année, ce sera une équipe, tu sais, ça montrera en somme, tu vois. Après, sera une j'ai pas la soundboard, les gars, je suis DSL, j'ai oublié de la prendre avec moi. Ah, bah aucun intérêt que tu joues, frère. Désolé. On peut peut-être se faire un hymne à cappella. Bah d'accord. FC Simi. Vous voulez l'hymne là ou pas? 4-2-3-1, 4-4-2, le plus fort dans le stade, le plus fort dans le jeu. C'est chaud. FC Simi. Juste, on va jouer combien de matchs contre qui? Je sais pas. Ah ok. Mon bot. Par contre là on est plein dans le bon truc, on est dans coupe sans règle et tout. Ça dépend si on se fait casser la gueule ou pas je pense. Ouais on est dans coupe sans règle. Ah d'accord ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais bon c'est difficile du coup. Si on prend 5-0 ce sera peut-être pas un BO3 quoi. Ouais voilà. Oh ouais. On va voir justement comment ça se passe. Non mais si on prend 5-0 on fera des games en ligne. Il nous manque DF, Pompon, MV. Et c'est bon ouais. Non mais Rivenzi. Mais c'est vrai que Domingo, tu es le seul à avoir un micro qui crépite. Excusez-moi, je lag. J'arrive. C'est pas horrible, t'inquiète, on va pas crever, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop bizarre que tu sois le seul à avoir ça. Oui, un micro qui craquito à répétition. Ouais, craquinette. Attendez, j'ai fait une connerie et maintenant je dois l'assumer. C'est terrible. Non, mais j'ai qu'à faire ça, je suis quoi. Est-ce que vous voulez l'in ou pas? Attendez, Bah ouais. Bah ouais, tu l'as toi? Ouais. Oh, c'est quoi que tu t'as pris là, une petite salade de fruits? Salade de fruits. Joli, ouais. joli. Oh, ça a l'air. Ça carie de fou, hein. C'est pas mal, y'a que des pommes, mais. Je vous la mets, attendez. Ouais, mais je vais peut-être aller prendre des lasagnes, moi. Les lasagnes, pas mal. Alors, les lasagnes, pas mal, mais prends un truc avec. Ah ouais, c'est trop petit. Non, mais j'ai déjà mangé à midi en fait. C'est juste mon goûter. Ah, ok. Non, mais elles sont bien, mais tu sais, c'est pas. C'est pas un banger?
Bah, en fait, non, c'est juste qu'il en a mis beaucoup moins que l'année dernière parce que justement, les gens n'y savent pas, je crois. Ouais, c'est pas suffisant et. Non, c'est très bon, mais c'est un peu écœurant quand tu manges que ça vu que c'est pas très consistant, tu vois. Ah ouais. Le burger était dingue. Le burger, c'est un banger. Le curry jab. Le burger aussi est fou. Le burger est dingue, ouais, franchement, très très bon. Un peu trop de cheddar, personnellement, mais. Allez, c'est bon. Balance. Les gars, c'est trop de cheddar. C'est match d'entraînement. Let's go. Et après, il y a 7 joueurs. Ouais, bah là, on va jamais jouer, hein, je pense. Je pense qu'on va jamais trouver de mec. Ah, j'arrive pas à le mettre dans le son. Non, c'est sur PC en club pro, hein, les gars. Mais en face. Si, y a du monde, non, enfin, en PC. Ah, ok, donc ces matchs d'entraînement, ils arrivent quand, les loulous? En fait, il manque que Stakor. Ah, tu vois, t'as été mauvaise langue. Il y a que Stakor qui manquait justement le. Allez, c'est parti, le Valitra, y a FC, les gars. Concrètement, les gars, on se concentre un peu. Oh, le son a changé d'un coup là, c'est l'angoisse. Si on est très très bon, on peut peut-être passer une level 2 et avoir des points en si plus. Si on est très très bon quoi. Désolé, j'essaie de mettre l'hymne, mais ça ne marche pas. Si je vous ai fait un faux espoir. C'est pas grave. Les gars, juste on fait tourner le ballon. Oh non, le bug du premier match ou pas? Ah non. Okay. Alors, non. Quand même pas. Oh là, ça frise pas. Oh là. C'est hyper agréable. Après, c'est vrai que c'est très fluide sur PC quand même. J'avoue que c'est. Vous trouvez pas que le jeu est hyper fluide? En vrai, bah, un peu mieux. En match, ça valait. J'ai même pas la manette branchée. Oh, c'est vraiment hachi. Allez, oh la luminosité, oh ça me c'est quoi les ce yeux. Terrain oh, oh, pourquoi il est fluo frère. Pourquoi j'ai une vue comme ça moi, c'est trop bizarre. Par contre c'est la game, moi, c'est la game les gars. Mais je ne vois rien. Oui, j'ai une vue de merde. Rien, ah c'est un terrain ricain en synthétique, c'est pour ça. Change ta vue frère. Mais j'ai mis truc TV, je comprends pas pourquoi ça met pas comme d'habitude. Mais tu l'as bien lancé en full HD le jeu là, machin et tout. Bah ouais, diffusion TV. Ah non, là, en caméra pro, il s'est pas. Ah oui, c'est caméra pro, ouais, faut changer. Ah d'accord, ok. Oui, boum, on roule. C'est quel but ? On roule à 80, c'est bon. Allez, let's go. C'est vrai que le son du jeu est tellement fort par rapport à vos voix, c'est un cauchemar. Pareil, il va falloir que j'ai. Garde la balle. Armando Rodriguez. Ah là là, quel dommage. Garde la balle, on change nos touches. Ah pardon, pas le temps là. J'aurais dû la garder. Vous bien le suivi parce que ma team est prête juste après, mesdames et messieurs. Juste après. Et officiel tab. Ça va être FC Silmi contre le reste du monde, mesdames et messieurs. C'est ça qui se passe. Ah ouais. Aïe. Ouais, c'est sur Energy 12, ouais. C'est sur Energy 12, ouais. On a l'idée. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, à chier. Allez, let's go. Bon, les gars, là, le match, il sert juste à être potentiellement. À faire les réglages et tout ça, quoi, ouais. Ah, mais. Oh merde! J'ai perdu la co, excusez-moi. Ah bah t'as le tap quoi. Ouais, en vrai, oui, j'ai pour DSL, j'ai raté. C'est 100% le tap. Tu peux faire la passe si tu veux. Ouais, j'ai tiré en plein milieu. Le son était trop fort. Plein fer. Pas mal. Le son est tellement fort, je sais pas pourquoi, alors que je l'ai réglé avant. Non, mais tu peux le régler dans le jeu, c'est l'ambiance du stade, moi elle était à fond. Ah bah bon? Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ça a bugué, mais du coup, il a dépop. Ah non, ok. Mais qui s'est passé? Ouais, là, c'est pas bon, c'est c'est le jeu. C'est le capitaine qui a fait un triangle, je crois. Du coup, il est sorti le joueur. Attends, je baisse le son du jeu en 2-2 là. Ah, terrible. Ouais, alors c'est pas grave, on s'en fout, on est là juste pour changer. Aïe. Faut réglage comme ça, on est bien pour la game d'après. Exactement. C'est la game réglage après. C'est vrai qu'on a des joueurs dégueu, donc faudra juste faire des passes. Ouais, mais quelqu'un a le tab ou pas? Moi? Moi? Non. Ça marche pas, c'est mort. Si, et toi là, le tab? Ah, j'ai été déco instant. On reste sur le déco, ouais. Tu ouvres, frère? Oh merde, je suis dans nos buts, je crois. Ok. Celui-là, j'ai pas passé cette soirée FCF. Ah, voilà, allez. C'est quoi, il a été déco instant? L'ambiance du stade à 3, c'est Gucci. Ouais, l'ambiance du stade, elle était bien. Ouais, bien joué. C'est ça. J'avais un peu plein de. C'est Verratti, lui. Oh oui, Luc. Il redonne. J'y joue. Oh oui, bien écarté. Alors, je regardais pas. Vraiment être nul. Attends, pourquoi ils me disent ça? Le quoi? Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'eux aussi ils vont être nuls en face et ils mutent les gens depuis le menu pause. Mais de quoi vous parlez? Mute qui? De quoi, Gigi? Mais je sais pas, les gens me disent de mute les gens. Une touche. On passe par moi, Pierre. N'hésite pas, n'oublie pas que tu peux pas les passer, les bots. Ah, mais c'est vrai qu'on va rien pouvoir. Surtout avec ton joueur. Oui, en fait, c'est impossible. Si, ça va être. T'as les cheveux roses. Faudra juste faire des passes, trouver les trous. Ça va être ça quoi, j'avoue que. Non, mais surtout, on a Pompon du coup, qui va nous non, mais Gota et tout, ils vont pas prendre leur perso cheaté, les gars. Bah, j'espère bien. Ouais, ouais. Déjà qu'ils sont plus forts que nous, donc y'a aucun intérêt. Je suis AFK, les gars. Mais Étoile, il est là ou pas là? Non, Étoile, il a fait Altab aussi. J'ai fait Altab. On gérait des trucs, ouais. Pareil. Est-ce que vous m'entendez avec ce micro? Je suis belle. Je te mets à 200 quoi, mais. Ok. Je suis à 200 aussi, mais décale encore. Boum. Aïe. Oh, j'en ai pas fait. Ouais, j'ai des stacks à gauche. Attends, il a grignoté. Ah, mais eux, ils vont jouer avec des défenseurs. Oh, oui, bien. Oh, magnifique cette passe. Ouais, super. Ça passe 7 ou 8 MV. Ouais. Vous me cassez la gueule.
Donc ça va être ça va être fou. That moment. Oui, ouais, ouais, Berta. Non mais tant qu'il y a tant qu'on joue tous les deux tous. Ah vas-y, cool, vas-y. Au-dessus, au-dessus. Oui, 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 c'est l'idée. Oui, oui, boum. Oui. Ah, oh, dommage. C'était super, là. C'était beau. Ah, j'étais la petite passe là, ça a glissé là pour j'ai adoré. À deux si tu veux. Premier pote. Vas-y. OK. Ils doivent avoir en vrai, on n'a pas intérêt à il fait il fait. Pourquoi est-ce que mon joueur s'appelle Daft Punk, mon joueur? C'est une frappe en pivot, elle est belle, hein. C'est une frappe. Ah oui, mais ils sont prêts, c'est ça le problème, c'est ça. C'est la purge, c'est la purge. Il s'appelle Daft Punk, mon joueur, pourquoi? Pas Kerbeuf. Ah, je ne sais pas. Daft Punk. Ouais, je sais pas pourquoi. Il s'appelle J. C'est incroyable. Ouais, il s'appelle Nicolas Dupré. Ah non, Nicolas Dupré. Oh non, mais non, moi c'est Daft Punk. Ah, des bonnes sens, ça. Nico Dupré. Ah putain, je pensais que FV l'avait récupéré. T'as chippé la balle? T'as chippé? Ouais, bah juste. Superbe. Nice. Quoi? Vas-y, en bas si tu veux. C'est bien ce que tout le monde trouve bien PS4 et on joue. Ouais. Faudrait monter le son étoile, ouais, on l'entend faiblement. Hein. Mais c'est vrai que je suis parano du altable là, hein, ça va être. Ouais, ouais, c'est, ça va être terrible sinon. J'ai même pas la bonne scène, j'ose même pas changer. Ah, parfait. Ouais, oui, bien joué. La bonne scène et que t'as pas de trim deck, t'es la salope. Hein. T'es autoritaire. Bah, je suis quoi? Ah, j'aurais dû te voir, pardon. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Je t'avais. Oh, vas-y, C'est ce qu'on voulait voir. Une puissance exceptionnelle. Bien sûr. Monstrueux. Hey, Nico les gars. Oh, il a essayé de nous faire une Gigi là. Oh oui, dans le trou. Ouais. Audacieux. Il y a un mec là, en fait. J'ai ambitieux, ouais, ça, il y avait un man. Partout, quoi. Dans les pieds, hein, je pense. Ouais, oh, c'est de la merde. Ouais. Dans les pieds. Dans les pieds, mais il était un peu loin. Ouais. Un peu loin, ses pieds. Oh, magnifique Gigi. Hop, dans le trou. Au-dessus, oh, bien vu. Oh, le lag. Au-dessus, encore. Oh, quel dommage, t'aurais pu tirer. Mais non, mais gros, je faisais une passe, ça passait pas. Ah ouais, mais t'as oh, Gijou, ouais. C'est pas avec ce joystick droit, les passes. Hein. J'ai pas fait de joystick en plus. Remets. Ouais, ouais. Oh oui, c'est mieux. Belle. C'était incroyable. Ah, je tentais. Ah, t'es dur. Genre, on peut pas lui piquer la balle, là, il fait un contrôle devant nous. Vas-y, ça dégoûte. Ça dégoûte, là. Sinon, les gars, on peut quitter peut-être parce que. Ouais, on peut quitter pour nos amis. Ah oui, c'est ce que je me disais. Notre groupe. Ah bah, sous les clubs. Ah oui, oui, bah, ouais, s'ils sont chauds, mais je pensais qu'ils réglaient leur truc. Ah, allez, on voilà. Quitte. Allez, on quitte, ouais, c'est bon. On a gagné, hein. On a gagné. Ouais, belle win, les gars, belle win. Belle win, belle win. Bello Bito. Allez dire à Doigt qu'on est dans le. On est dans notre zone. On est dans notre zone, non? Dans le chat. Allez. On est dans notre zone, on est dans la zone. Va lui dire qu'on est dans la zone. Je suis dans la zone. On peut jouer, qu'on est prêt, quoi. Moi, je suis très chaud. Là, la zone. Allez, le foot. Déjà une défaite. Ça arrache que d'échauffement. Comment ça se passe? Faut qu'on se mette dans la feuille de match. Attends, je me demande comment c'est pour jouer en privé déjà. Du coup, l'équipe qu'on affronte, c'est pas les croutons, hein, c'est juste qu'ils étaient pas trop dispo a priori, donc voilà. C'est le monde, c'est Worldwide en face. Ah là, c'est pas les croutons, c'est pas perdu qu'on a. Là, c'est une équipe Worldwide, mais par contre, qui a du niveau, je pense. Hein. Bah, en vrai, le truc, c'est qu'on a quand même un peu perdu au change dans cette histoire de croutons pas dispo, quoi. En vrai, on s'est fait. On s'est fait un peu de. On s'est encore fait baiser, il faut le dire. Hein. Belle douillasse. À chaque fois. Hein. On voit le cap de zone de Xav. Mais genre, vous avez les noms de tous les joueurs contre qui on va jouer? C'est qui, allez? Ils sont au-dessus sur Z-Event 3. Bifresh, Doigt, Gotha, Kamel, Kotei, Sardoche. Ah oui, d'accord, c'est que des monstres. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah les gars. C'est que des monstres avec Kotei et Sardoche, quoi. Mais okay. Sardoche, il joue pas gardien, genre? Si. Ouais. C'est. Meilleur en face. On va tirer de loin, quoi. Ouais. Ah, il y a Spotify qui me dit découvrez la playlist d'ici Xavier Dang. Ça a l'air intéressant. Pas mal. Do you know Xavier artiste. Dang? Bien sûr. Oh là là, attendez, encore 500 balles. 500 balles. Comment ça se passe? On va se faire soulever. Anonymous qui met 40 balles. Il y a que des Anonymous chez moi. Putain, mec. Donnez chez Domingo, hein, pour qu'on soit tous à poil là. Not forgive. Quoi? Ah oui. Ah oui. Oui, c'est vrai, je suis au courant. Oui, c'est vrai, il y avait là. My ding ding dong. Il était du stream, ouais, je sais pas si on verra, on va en parler. Il fait quoi, Doigt? Il était chaud. Ouais, on va en parler. Mathieu est prête. Ok, bah vas-y, comment on fait pour s'inviter? Ah, mais si c'est moi je vous invite là, tu vas recevoir une notif. Mais j'attends juste que toute ma team est sur le terrain. Ouais, mais de toute façon, je crois qu'il faut juste que j'ajoute ton nom de club. Ah, nous, il manque DF, il nous manque Ponce. Ok. Non, je suis là. Faut que j'aille où? Je vais même. Je vais vous menacer, moi.
Calme, droit de fumer. Eh, prenez vos pertes au niveau 1. Prenez pas de points. Ouais, prenez pas des mecs au LE, sinon on est mort. Hein, oh là là, là, Kamel. Ça va être une boucherie, mec. C'est Connor de Virus qui me parle là. Ouais. Connor de Virus. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Aïe 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 aïe. Oh non, c'est Kameto Jidane. Non, Kameto, c'est pas moi, il est trop fort. Kameto, t'es trop fort à FIFA, toi, non? C'est Kamel Junior, c'est moi. Kamel Junior. Putain, on a Kamel Junior, on a Dwagby. Non, c'est le cyborg Dwagby, s'il te plaît. Vous jouez avec des, vous jouez avec des joueurs claqués, un mec qui fait tout. J'espère. Il faut un mec qui fait tout, obligé. Ouais, on a le tout. Il faut un mec qui fait tout et il faut que vos mecs ce soient des 80 général. C'est ça. Et moi j'ai 81, c'est faut que je. Ouais, 80, c'est normal, c'est normal. Ah, ok. Et Sard et Angol, ok, donc parfait. Vas-y, Doc, tu m'as invité ou? Je vais retourner voir mon équipe pour qu'on se mette sur le terrain. Vas-y, on se met tous sur la feuille, on vous invite, donc soyez prêts. Allez. À chaque instant, ça veut partir. Ouais. Ok. Oh mon dieu. Eh ben on est chaud alors. Plus de tab après. En vrai, si on gagne, c'est un upset monumental. No wall to Tabos. Si on gagne, c'est monumental, on fait un truc de fou. No wall Tabos, les gars. Tu okay. Les pas de Altabos, pas de Altabos. Pas de Altabos. Finalement, j'avais mon télé, mais j'ai paumé mon phone comme c'est un problème ça. Bon, mais vraiment, par contre, je suis désolé, les amis, mais bon, même s'il y a des problèmes et tout, là, on pourra pas trop régler. C'est pas bon. Mais oh, t'inquiète. Attends, mais vous m'avez en double? Non. Ah, eux? On t'entend bien, là. Je suis désolé. C'est pas grave, bro. Mais tu peux pas mettre. Ah, mais il m'entend pas. Tu peux mettre plus fort ton micro, bro? Mec, je fais le maximum. Non, laisse-le, monte-le à 110. Moi, je l'ai mis à 115 et ça va. Là, c'est mieux, là? Ouais, c'est bien, c'est mieux. Tourne ton gain à balle et vas-y. Ouais, ok. Sinon, au pire, t'as encore le boîtier que je t'avais prêté, là. Ah oui, ouais, je l'ai. Et ça te booste ton signal à vénère hein, si besoin. Mais ça va hein, en vrai, hein, ça va. Ok, c'est bon. Okay. On rappelle quand même que pour tous les gens qui veulent se renseigner sur Action contre la faim, il y aura une des responsables qui viendra parler sur le stream de Zera. Enfin, normalement, c'est 18h, mais là, elle est pas là. Mais voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur Action contre la faim, vous êtes curieux, n'hésitez pas sur le stream de Zera. Elle est pas là du tout. C'est clos. Bah là, je la vois pas. Il est tout seul, Zera, non? Ah, il est parti. Ah, non, il est en train de parler. Non. C'est en cours. Donc comment ça se passe là? Il nous invite et toi tu nous invites? Normalement il nous invite là, je pense qu'il branle là. Allez. Toi tu peux accepter parce que t'es pas le capitaine du club. Ça dit des gouttes. Bah je sais pas si tu vas te faire inviter quoi. Mais du coup faut pas. Allez, bon, hein. Je vous préviens qu'à n'importe quel moment. Du club là. Gotham, à n'importe quel moment, je passerai peut-être en autotune. Hein, voilà. Ah oui, pourquoi? Pour que ça. Ah, excellent. Est-ce que j'ai ma bille noire? Tu veux, y'a aucun problème. Et du coup, tu pourras pas terminer de lire Le Temps et Tempête, ça qui est horrible. Ouais, parce que là, le hashtag nature est à 10 180 € et le hashtag joule est à 9 725, c'est close. Ah ouais, c'est close, close. S'il vous plaît, le hashtag nature, s'il vous plaît. 500 balles! Allez! Bien joué, 500 balles, c'est beau, c'est juste beau. On y est, oh non. Well done. Well done. Un excellent match à tous. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait des donations aussi là dans les. Merci beaucoup à Stéphane qui a donné 7 €, merci beaucoup à Pénéfilm aussi qui a donné 1 €. Oui, bah oui, ouais. Ça y est quoi? Il y a pas le choix, c'est passé bon. Mais j'ai plus de voix. Toi, tu te fais pas avoir hein, par des trucs comme ça, toi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, oh, oh. T'es pas sur la feuille de match? Attends, je le mets à droite. Allez, le foot, hein. Allez, le foot. On va se faire inviter. Non, mais il faut être sur la feuille de match. Allez, le foot. Allez, le foot. Le foot. Allez, le foot. Allez, le foot. Voilà. Allez, le foot. Vive le foot. J'aime tellement le football. Le football. Les balles rondes et les filets. Tu aimes le foot? Les filets. Je l'ai. Oh oui. J'adore. J'aime bien. J'aime les filles. Enfin. J'aime les filles. Les attends. Oh non. Zerator. Ouais, beau gosse. Mesdames et messieurs, juste un message très rapide pour vous que cette année encore on a eu du soutien de certains généraux donateurs et des Allez.
sur moi que 20 000 euros sur le stream de Dodo. Incroyable. Voilà, donc différentes entreprises qui vont aussi participer d'une certaine manière avec Riot qui va donner 20 000 balles. Donc peut-être qu'une partie de vos. D'ailleurs, les gars, une partie de vos. Une partie de vos skins ont été remis dedans. Si vous avez donné 5 000 euros, j'en fais pas toute une histoire. Je veux juste game en fait. T'inquiète, t'inquiète, ce soir. Je jouer, bordel. Je voudrais jouer. Oh wow. En même temps, on les a tempo. 300 patients. Guerrier. Et nous. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Moi. Moi. J'ai vraiment envie de jouer là. Allez. Oh alors peut-être. Oh là là, oh là là. Pas d'altab. Oh jamais. Pas d'altab. Pas d'altab. Bono. Allez. Allez. Allez, la tête dans le mur, hein. Allez. La tête dans le mur. Allez, ce soir, c'est match. Allez, on y va. On se trouve, on se parle. On se donne les informations. Let's go. J'ai l'information, c'est que le match est trouvé. Ah ouais, pour l'instant, il est trouvé. Il est trouvé, ce match. Match trouvé. Ce subit. Cette rôle n'existe plus. Et voilà, fin du rêve. C'est gagné. Oh yeah, c'est gagné. C'est juste la victoire. On remet les tags. Je peux pas faire de Warteg. Quel game, les amis. Warteg. Pourquoi je peux pas sortir un petit Warteg. Hein, je vais vraiment, c'est vraiment moyen, quoi. Anil Branc. Anil Branc. Allez, les gars. Oh, qu'est-ce que tu nous as fait, toi. Allez, on se reconnecte. Il manque Étoile et il manque Ouais, quoi. Okay, vas-y, Étoile. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Ah, ok, pardon. Bon, attendez, merci beaucoup à ici, c'est Simi. À plouper avec Jamie Turo. Bon, ils vont le voir. Merci à vous pour votre soutien à Action contre la fin. J'abuse d'avoir un PC. Non. Et vous avez une pression. Au moins pour la première mi-temps. Ah bon. Allez voir Gotha, mais Gotha on l'attend là. Putain, il nous casse les couilles là, il met Gotha. Il est allé le voir, il est tellement énervé. Je veux jouer, merde. Je crois que j'ai joué un peu tendu. Je veux jouer, merde. Merci beaucoup à Bachy pour les 7 euros. Il ferme sa gueule lui. Pourquoi je vous entends tous en double? Ouais, pour. Non, ah, mais c'est quoi, quoi en plif, non? J'ai un truc d'ouvert, pourquoi j'entends pas alors que j'ai tout muté? Bah, je trouvais. Je crois que c'est étoile, j'ai pas la force. Ah non, vous avez pas, il fallait mute dans paramètres au début, il fallait mute audio chat, les gars. Moi je fais mute audio chat, c'est terminé. Mute, je suis désolé. Il y a le micro dans le jeu. Ah non, vous avez pas muté dans le paramètre du jeu. Quittez tous. Moi je l'ai fait. C'est terrible. C'est un cauchemar, le PC, ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. J'ai jamais vu dans le jeu. T'as 8 FPS de plus, donc en jeu, c'est insane. Ouais, vraiment, c'est mais même pas en plus. T'en bois. C'est vous qu'on désactive ça, Xav? Paramètres, non mais au début il faut relancer. Mais là je suis dans la mauvaise cible. Faut tout relancer là. Ah, mais est-ce que c'est pas dans la mauvaise cible, effectivement. Mais bienvenue. Non mais pense il a manipulé. Non mais c'est juste Tu vas dans paramètres et tu vas dans audio et tu enlèves audio. L'onglet audio, tu décoches chat vocal. Non, je vais regarder aussi si j'ai. Ouais les gars. On est dans le lobby donc je t'entends pas. Tu sais comment on enlève? C'est ce que m'a dit MV. C'est ça que tu me disais? Dans le launcher MV, ouais, dans le launcher. Tu quittes le jeu, t'as le launcher. On est en ligne là et on est. Ok. Cauchemar. Et dans paramètres de jeu, t'as un onglet audio, chat vocal. Enlève chat vocal. Exact, merci. L'application FIFA semble fonctionner, la mise à jour des paramètres s'appliquera pas tant que l'application n'est pas redémarrée. Mais c'est génial! Bah je reviens. Faut quitter le jeu, faut quitter le jeu. Voltage dans les menus, audio. Ah punaise, mais j'arrive pas. Ah punaise. C'est audio et chat vocal, attends. Effet menu, volume menu. Incroyable. Ça donne vraiment envie d'acheter le jeu. Mais il est où ce chat vocal de ces morts? Mais moi j'adore le game. C'est mort. C'est bon, moi, je suis crois de retour. Pas, il est de retour. Il est de retour. Non, c'est là, dans, c'est dans paramètres du jeu. La touche mute sur Discord, il marche pas. Le shortcut. Le shortcut, le SC. Je vais faire ça en 2-2. Ah, c'est dans je le serai moi. Je suis dispo elle aussi. Coach, je vous mets. Tu me mets Capi?
Ouais, je vous mets cap, ouais. Putain. Wesh cap. C'est fou quand même hein, qu'on soit tous là. Uniquement grâce à Snapfuck. Snapfuck. Ce site là. Snap pas mal ce site là. Ouais les gars. Surfload pour T1. Moi je suis tellement pour T1 gros sur les qui a gagné le bowling ce matin d'ailleurs. C'est bon. Le matin, alors c'était à 14h. Sache que avant le dernier coup. Avant le dernier coup, Domingo. Jiraya et moi-même, nous étions l'homme le plus fort du monde. Le plus fort du monde, Domingo. Machin. On était tous les trois prêts pour la win et au final, Jiraya a fait un strike et du coup il a pu rejouer. Oh là là. En fait, je faisais 9. Quel à chaque fois que je jouais, je faisais 9. Il a fait ça en total ce boss quoi. Je pas fait 9, après le match, les dons, j'arrive pas à mute sur Discord. J'ai fait 2 strikes. Allez. DF. Allez, allez. Ouais. Oh. J'arrive. Pas mon nouveau surnom. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sof, merci pour les 7 euros. C'est le plus fort du monde, gros, DF. Mais oui, mais ça c'est pas un surnom, c'est un fait. Ah bah voilà. Merci, et un but merci, de l'homme le plus fort. Il nous manque MV, il nous manque à gauche Rive, étoile qui est là. Ouais, j'arrive, je décoche le chat vocal. Et c'est si long. C'est si long, mais est-ce qu'on y est pour quelque chose? Bah là, il y a pour quelque chose, parce que t'es pas là. Non mais commence pas, parce que c'est jamais moi qui fais attendre personne les soirées du lundi, donc restons calmes tout de suite. Ça, je reste pas calme, parce que t'es dernier là, ça me dégoûte. Tu me débectes. Okay. Bah, on attend, c'est à qui là? C'est un peu comme nous là, mais on va pouvoir réinviter. Je suis là. Ça commence à être long là. 1,8 million. Merci beaucoup Dekunder, merci pour le, ah, merci pour le, pour les 7 euros. ça cartonne. Ouais, 1,800 000 euros, incroyable. Rien que chez l'homme le plus fort du monde, peut-être l'homme le plus riche du monde ce soir. On vient de les dépasser là. Aïe. 1,800 000 balles. Mota joue avec son joueur, mais non. On verra très très vite hein, s'il joue avec son joueur. Bah, non, je pense pas qu'il joue avec son joueur, on le verra instant enfin. Comme il est en interview avec. Il est en interview ou ça? Inspirator. 8, let's go. Il est en interview. On lance la game ou on peut aller sur le jeu? Je sais pas, j'ai l'impression. Ok, voilà, let's go. FC Sydney. FC Sydney. Il est chaud, Connexion match trouvé. Sardoche, on tire l'entrée de la surface ou pas? Bien sûr, ouais, on tire partout, Sardoche. On tire partout. Dès que tu peux. Et les spéciales pour prendre du coco. Instantanément. Ouais, moi je pense que c'est perdu. Hein. Bah merci, Étoile. Mais non, Étoile. Sois pas une merde, Étoile, s'il te plaît, au moins une fois. Non mais ça va aller. Non mais je parle de ma manette en fait. Ah pardon. Excuse-moi, Étoile. J'ai coupé, c'est bon, il y aura pas de Non mais là, son joueur il va trop vite, frère, regarde. Quelqu'un qui va un peu plus vite, j'ai l'impression que. Non mais attends, je crois qu'il a mis ses 10 points en vitesse donc c'est possible. Non mais non, moi j'ai mes 10 points en vitesse. Et j'irai mettre 100 balles sur la canne de Rayu, je sors. Allez, pompe. Ok, à gauche, pompe si tu veux. Au centre. On teste. Je veux voir. Allez, Sardoche, c'est la dernière guerre! Allez, Jijou! Mais putain, il m'a poussé, gros! C'est bien joué, mon popo! Il m'a poussé, gros, il a dit. C'est bien! Oh oui, Xari! Ça, bien! On est dangereux dès le début! Eh bien, les gars! Allez, le tir du faucon là, allez! Non, mais il va trop vite le joueur en bas! Ça va vite! Mais attends, mais. Arrêtez de se plaindre, ça sert à rien, de toute façon, il faut jouer le match. Si, je me plains si je veux, d'accord? Il a 5 ans et demi le mec. Il commence déjà. Oh là, oh putain. Mais regarde lui la camel. Ça fait tourner. Ah, derrière. Il y a de l'espace en haut. Allez, giclez les gars. Je suis revenu intérieur. On les pulvérise. Écarte, ouais. C'est chaud. Jijou, il a fait un tout droit, il me fume. Je reviens derrière. Il y a tout droit, mais. Oh là! En haut, si vous voulez, il y a de la place. Dommage, les gars, c'est pas grave. En une ou deux touches, si on est. Viens, ça, Luxab! C'est beau ce que tu fais, c'est beau ce pressing! Allez! Ah, je l'ai trouvé, mais là, il trouvait ligne, on n'arrive pas trop à presser, malheureusement. On joue à un point de côté, là. Ah ouais, faut faire attention, hein, ça roulant. Ça y est, c'est fini, là. Attention, point de pénal, il y a un mec tout seul qui court très vite, là. Oh! Mais what?
Pardon les gars. Ouais, merci. Bien joué, Étoile. C'est un miracle. C'est un miracle de la vie. Par contre, ils vont essayer de vous dribbler. N'oubliez pas qu'on est à chier. Donc, ils vont se prendre un peu trop chaud. Ils vont faire des dribbles. Faut aller les baiser. On se jette pas, Étoile. De toute façon, tu connais. Bien ça. Mais là, une chatte aussi, gros. Écarte. Ouais. La roulette que t'essaies de mettre. Prends le flair. Bon, par contre, c'est chiant là. Il garde le ballon à 15 ans. Ouais, ça va. Je crois qu'il y a un 6 mètres. Non. Ils ont un grand. Attention, le numéro 7. Point de péno. Un grand. Et là aussi, maintenant, vous l'avez. C'est bon. Allez, les gars. C'est des mois de travail. Allez, mon kerbe. Je l'ai vu là-bas. En vrai, il y avait un peu long. Ça sort. Ah, dommage, j'ai essayé. J'avais vu Jisoo tout seul. C'est pas dégueu. Tu tentes des trucs de l'autre côté. Je t'avais vu, j'ai essayé de renverser, mais. Oh, il regarde la minimap, attention. Ouais, ça joue bien. Attention, ouais, c'est bon, Non, super. Ah, mais attends, super. Tu vas pas avoir un ponce comme ça, gros. La position sur F, dans la. Non, sur. Ah putain, je voulais pas faire ça. Non. C'est bon. Ils doivent s'engueuler parce qu'ils ont ruiné. Je remets en bas, ouais. Par les milieux. Voilà, on coulisse. Et derrière, c'est en attaque qu'on va faire mal, les gars. Attention, ouais. C'est un peu profond. Non, on court pas si vite que ça, ça, le truc. Attends, ça cherche un corner. C'est un bon corner. Ah, c'est le Xavier. On monte pas tous. Pensez à frapper. Ok, je reste derrière. C'est bien, toi, le mec. Oui. Quelle tête! Allez, on se met. Allez les gars! Défensivement, on est solide, on est le F de Sylvie, putain! Allez! Et par contre, Sartre, c'est un tir, un but, donc allez-y. Hein. Oh le bâtard! J'ai pas de quoi, c'est marqué. Ah non, c'est deux tirs, j'ai abusé. On a tout fait de que ça lag. Ouais, ça a T'inquiète. J'ai le logo rouge en haut tout le temps là. Moi aussi, mais simple. J'avoue, simple. Il faut juste pas perdre la balle et si on perd pas la balle, on gagne. Dans le pied! Ah, ça lag, ça lag. Allez, go. C'est trop bien le PC, hein. Ouais, il y a des lags, mais c'est ok. C'est trop bien le PC. Ça lag. Le PC, c'est insane. Bien joué! Attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, ouais. C'est ça. Ok, tranquille, on sait. Ok, ça bourre les dons pour le but. Allez. Les gars, il y a aucun risque de ma part. Ouais, alors. Oui, vous m'entendez. Attends, il y a un vrai truc, hein. Il y a un vrai bail. Doucement, montez, ouais. Au-dessus. Ouais, tranquille, t'inquiète. J'attendais juste un tête sur moi. Dans les pieds, les gars. Dans les pieds, triangle, c'est la pire triangle malsain, triangle malsain. Ok, il panique. Ah, dommage, c'est pas en avoir. N'oubliez pas que c'est un joueur. 4 à droite, 4 sur l'aile droite. Attention, les gars. On remonte tranquille. Il va passer au centre. Ils sont nombreux, ça fait des appels, attention. Bien joué, Jisoo. Ils passeront pas. Bien joué les gars, bien joué toi. Reviens derrière, t'es doucement, tout seul. Je monte pas trop là-dessus. Ouais, on build parce qu'ils sont beaucoup. Il y a un peu d'espace en haut là. Ah, c'est bien. Stop. Super là ce qu'on fait là. Il y a de l'espace là, dans son dos. Non. Bien. Allez, on coulisse. Ouvre ton C'est bien ça. Remets. Ah, dommage. Ah, j'ai essayé. Ah, ils jouent tous la balle. D'ailleurs, on revient. Ça se voit que c'est des mercenaires. Ouais, ça se voit. Sur deuxième poteau, ça court très très vite. Ils ont pas d'âme. Ah, j'ai déjà plus de jus. À gauche, tout de suite. Ils sont en 2021. Oh là, par contre, les relanceurs, faut faire gaffe. Elle est puyante celle-là. Elle est fuyante. Putain, je suis my bad. Mais je pense que je vais l'envoyer plus fort au milieu ou. Parce qu'il marque bien pour les relances, j'ai du mal. Allez. Ah, ça, ils ont une chatte hallucinante, bien joué. Ils sont nombreux là. Déjà, mentalement, ils sont déjà mal. Ça dégage ça. Bien joué. Allez. Oh, contre-attaque. Vous êtes nombreux. Hein. Allez. Oh, DF, il est parti. Magnifique. Oh, c'est pas mal. Tout de suite la passe. Ouais, reviens haut. Putain. Ouais, oh non, c'est à chier. Tu l'as. Je me suis racheté. Ah ouais, j'en ai encore. Un petit coup de physique, c'est bien, il a défoncé. C'est pas grave. Bien l'action, les gars. Bien, une dimension de incroyable. Coulisse. Ouais, les gars, on les bouffe. Ah, j'essaie, je n'avais pas vu, mais revenir. Creuse, Xav, coupe les. Mais j'essaye, gros, mais. Non, mais t'inquiète, mais pour proposer. Mais je reviens, j'étais en train de revenir.
Ah, dommage. C'est bien, les gars. On se replie bien, on est bien. Hein. Pas de but avant la mi-temps. Hein. Dernière action avant la mi-temps, les gars. Solide, solide. Pour nous. Pour bien, nous. Bien, 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 Étoile. Tu me rassures, pour nous, pour nous. Allez, les gars, allez. C'est des clubs, c'est des clubs, les gars. Des clipboards. On est très très dangereux, ce coup de carotte. Oh là là. Allez, let's go, 1-0 pour le FC Sylvie. Bien joué, les gars. Alors peut-être, alors peut-être. Il tricote trop, il tricote trop. Ça m'a vraiment compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Billy en scout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Billy, il est rentré en scout. Si j'enlève la cam, je me fais éjecter du match. Démerdez-vous. Allez voir le match ailleurs. Allez voir le match ailleurs. Ça va, non mais il a pas le moteur, j'ai eu peur, putain. Si, il a le moteur. Il a le moteur. On n'est pas nous. On n'est pas tous nés à Paris, gros. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, gros, mais. Oh non. Oh, horrible. Ouais, ça, les gars, on a un match à jouer quand même, nous. Hein. Les gars, c'est match. Ça repart, ça repart. Allez, go, les gars, go, go, go. Allez, go. Ok. Ça m'a déco. Non, non, c'est pas ça. T'as fait un tab ou quoi? J'ai pas fait le tab. Ça m'a déco. What? Oh la non. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Non, mais gros, c'est. Ça sent l'essence, ça pue l'essence. Ouais, ça sent vraiment le gaz. Bon, heureusement que ce soir tu nous sors une masterclass. Mais par contre, on a plus l'étoile. Ah, mais c'est trop chiant là, du coup. Ah, oh, mais ça va être chaud. Je joue le tout là. Il y a pas de soucis, c'est des bots. Juste appuyez pas comme des chiffres. Ouais, faites pas d'appel, ne faites pas d'appel quand il y a des bots, sauf si vous êtes à côté. Les CMV et moi, potentiellement les ailiers si jamais ils sont prêts. Mais oh non, Rayou. Je suis désolé, bro. Mais ça, c'est la fameuse déco aléatoire du PC, quoi. Qu'on avait avant, et c'est un mec qui s'est déconnecté. En fait. Non, c'est vraiment PC, c'est de la. Vraiment sur FIFA, c'est vraiment le seul truc où le PC c'est vraiment chier. Magnifique ça, cette passe de Gotag. Par contre, ça c'est un chier. C'est penalty. Non, oh non, dommage. C'est qui tire? J'ai fait B. Oh non. Oh, allez. Oh non, c'est qui tire là? Ouais, ouais. Kamel. À droite, Kamel. Ah non, il va tenter un truc de. Il bouge pas. Oh non. Dommage. C'est la droite pénalty quoi. Pour moi c'est pas un rouge quoi. Aïe, le pénalty qui met pas bien. Ouais, pénalty met mal. Pénalty met très mal là. C'est dommage parce que c'était bien. Ça va, c'est un pénalty. Nous on marque au moins sur des vraies actions. Casser les couilles. Ah mais c'est quoi la merde là par contre. Ouais. Mais pas de Rayou plus. Terrible. Allez, y'a rien. Oh là, j'ai déconné. Il y a R. Allez les gars. J'avoue, là, c'est marrant. On a plus Rayou, quoi, c'est ça. Ah, défensivement, c'est moins marrant, quoi. Ah, voilà. Ah, c'est AJ, pièce du AJ. C'est l'enfer, en fait. C'est les IA qui viennent de tirer, là. Oui. Ouais. Ah, en fait, il faut demander la balle avec Croix. Ah, j'ai demandé là. Les IA. Oh là, quoi. Oh, bien joué, Xavier. Bien joué. La demande, tu vois. J. Ok, d'accord. Ou PA. Tu peux. Moi, j'aurais dû jouer au sol. Ouais, il faut vraiment jouer doucement. Ça sort bien. N'oubliez pas qu'on a des joueurs Sans l'essence. Ça sent l'essence. Il y a une odeur chelou. C'est un bon service là, vraiment. Mais pourquoi il a fait ça? C'est immonde. On va s'en inquiéter ou pas? C'était un goal. C'était un goal, ok. C'est quoi en fait? Tirer Amine en scout, je sais pas ce que c'était. Oui, d'accord. Oh là, on a perdu deux joueurs. Il faut qu'il fasse quelque chose, c'est un scandale, hein, vraiment. Ouais, c'est logique qu'il sort pas le jeu sur PC au pire. Genre, si vous avez pas envie, le faites pas quoi. On perd étoile, enfin, il y a le but quoi. Bref. Ouais, voilà, c'est ça. Bizarre la coïncidence quand même. Alors, en fait, le truc c'est que PA est allé parler sur Discord, du coup il s'est fait switch, enfin il s'est fait déco quoi. Un peu la merde ça. Oh, oui, je l'ai. Remets. Bon, excusez-moi, je lag juste de ouf en fait. J'ai voulu faire une passe à Gigi depuis. Ah oui, normalement, quitte, on peut quitter. Ouais, mais. Quitter. Ah, c'est 6 mètres, oh l'enfer. Remake accordé, parce qu'en vrai, il a quitté, il y avait un 0. Bah ouais, ouais. Moi, je pense que c'est match nul. Hein. Ah, c'est trop chiant. J'avoue, c'est relou un peu. Trop nul.
Dis-toi. En tout cas, bon corner DF, t'as kiffé ou pas? Ouais, ouais. Ah, mais là, on a été très bon. Hein. Ouais, ouais. Remake 1-0. Non, non, parce que c'est vrai qu'il y a eu. Non, 0-0, mais. En vrai. Putain, mais par contre, c'est 4-0. On fait 1-0, et puis après, bah, Étoile se fait déco, et les potes, on a pas envie. Bah, en vrai, dis-toi ça, gros. Pétant. Sachant que Étoile se fait déco pour. Mais moi, corner droit. En fait, c'est. J'en profite évidemment pour remercier aussi Zelmal qui a donné 7€ deux fois, donc 14€ au tout. Si tu marques, c'est 15€. Bah, j'ai vu entre deux dons, donc ça fait déjà 15€. Pense à ça. Pour dire que ça va être une scène, genre. Là, à 20h, c'est le boss. Genre, c'est le oh S. Non, frérot! C'est le putain de S. Oh mon ref! Paul, il est pas bien, le pauvre. Bah, c'est normal, c'était full bug technique pour Étoile et bah, tout. Bah ouais, Étoile. Là. Allez, Étoile, allez, mon gros. Journée The Event. En vrai, il y a tout. Allez, mon gros. Courage, mon frère. Parce que je vois pas de mon S qui te change le PC. J'ai rien compris ce qui s'est passé, moi, perso. Ah, j'ai 9000 problèmes là depuis. En fait, j'ai le PC de Rayou fait que bug en fait. Mais en fait, je pense qu'ils ont d'autres PC, il faudrait lui changer peut-être. Sur ton micro, on t'entend très bien. Il devrait lui changer peut-être son PC pendant que tu fais question pour un streamer, comme ça tu réinstalles tout. Ils m'ont dit que c'était pas le PC le problème, sauf qu'après, ils se sont rendu compte que le PC, l'alimentation, était pas assez puissant, du coup les cartes sont buggées. Ah bah oui. Et du coup ils ont changé. Ah mais ça, c'est pour ça. Et en boucle. D'accord. À chaque fois je demandais à des gens de me remplacer, mais ils étaient en mode ça marche, mais ça marchait pas parce que finalement il y avait des soucis. Ouais, du coup c'est chiant. Bon, c'est pas grave, il y a rien. Ce soir, ça va être une régie qui va pas bugger. Mais oui, ce soir t'as une bête d'émission. Ce soir, gros, c'est on nous régale. Pour un streamer avec Samuel. Genre, là, juste, on te propose juste un petit apéro. Un petit apéro sans bug, juste de bouffer du Klebs. Et ensuite. voilà. Juste on bouffe du Klebs et ouais, ce soir, t'es c'est juste la viande là. C'est un buffet à volonté. Hein. Donc, certes, j'imagine même pas. Vous êtes bien. Si Étoile était restée, on les aurait mangés. Ouais, c'est bon. On vous a invité là normalement. Ok. Bah attends, il manque. Bah c'est Goose et Doig. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah il va y avoir 2-3 minutes, je pense. Ils sont appelés de partout. Ok. Je suis désolé. Ah. Mais dans votre jeu, en vrai, j'ai bien aimé quand. Bon. Bah voilà. J'ai bien aimé quand. En fait, c'était une vanne. La vanne, ah, okay. C'est super drôle, Kamel. On venait un jour. C'était pas mal, mais ouais, dommage. C'est dommage, ouais. Dommage, on a pas saisi parce que. Ouais, petit flop là. Ce flop m'empêche de jouer là. Ah putain. Bon bah à tout à l'heure, je vous dis quand c'est prêt. Ah tout à l'heure. Ouais mais Doig il s'est fait alpaguer. Ouais c'est ça, c'est ça que j'ai peur. Bah et Doig il s'est fait alpaguer par quoi? Qu'est-ce qu'il fait Doig? Par Amine. Bah je sais pas, il est sur le live d'Amine mais... Si tu en bah génial. Doig. Allez. Ouais, ça parfois c'est... Ouais mais je veux bien qu'on soit alpagué mais pas quand t'es dans un event, en train de faire un event dans l'event quoi. Jesus. Après on peut aller l'alpaguer. Puisqu'il s'est fait alpaguer. En fait, tu fais quoi du coup là, Dogby? C'est bon, il arrive, Dog, c'est bon, il arrive. Juste, il s'est fait aggro, c'est bon, on va pouvoir. On a fait le match. Allez, tout le monde sur la fin. Le match. Et toi? Parce que les gars, on a proposé match, un jeu soudé, hein. Un jeu solide, un jeu qui. Ouais. À notre image. Attendez, il n'y a pas Rayou dans la feuille. Non. Quel philosophe du football, le coach. Étoile arrive, t'inquiète. C'est à 20h, question pour un streamer, pour ceux qui posent la question. Merci, coach, pour tous ces mots doux. Qui nous rassure. Allez, coach. Allez, les mecs, hein. Allez, voilà. Le coach a craqué, le coach a fauché quelqu'un dans la surface. Vous pouvez pas le malin. C'est vrai qu'il y a un petit fauchage. Un petit fauchage. Je vous invite là. Vas-y, let's go. Allez, let's go. C'est bon. Pas de halta, personne. Ouais, personne ne touche à son clavier. Juste désactive votre clavier, quoi. Ça m'aura. N'oubliez pas qu'au clash, c'est Sardoche, il est puant. Ok. Non, mais c'est vrai, il faut frapper, hein. Faut vraiment frapper. Faut frapper. C'est quoi les trucs les plus durs à arrêter? En vrai, les enroulés. Je crois que c'est les frappes puissantes maintenant. Les frappes puissantes, genre dans les angles fermés, genre quand t'arrives sur le côté, c'est horrible. Ah ouais, on a des joueurs 80 et en plus ça a été énervé. Oui, c'est vraiment horrible. Genre en fait, ils te trouvent. C'est-à-dire que même si tu vas dans le bon sens, la balle passe. Faites ça en vrai. Ouais, bah essayez en arène de faire un gros tir puissant avec R2 et vous allez voir. La patate. Il faut vraiment la croiser parce que sinon tu tires sur le mec. Ah ouais, ouais. Après, tu peux le surprendre. Allez, les gars. Donc, on n'a pas perdu encore. Ouais, on n'a pas perdu, bien sûr. Ça. Le direct de la récup. Oui, gamin. Fais jouer. Oui. Oh, dommage. C'était bien. Et on continue sur toutes les cartes à donner. À donner pour encourager. Allez, let's go. On donne, hein. On ne s'arrête pas, bien sûr, de donner. Ouais, oh, il a bien vu. Allez. Ouais, c'est bien. Loin. Super, les gars, bravo. À droite, On se parle. C'est peut-être un peu loin. Le jeu est tellement pas fluide, c'est un cauchemar. Vraiment, je comprends pas. Comment ils peuvent dire que c'est mieux sur PC, quoi? Vraiment, je ne capte pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi, je crois. C'est pas comme s'il y en avait qu'un chez nous qui laguait, tu vois. C'est vraiment tout. Surtout qu'il n'y a pas de joueurs sur PC, donc ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Concentrons-nous sur le match, les gars. Le match. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, super.
Oh, coulisses. Oh oui. Oh. Ah, tu vois, il sort pas. Tu vois, il sort pas. En vrai, mettez des choses comme ça. J'ai. Ah, dommage. T'as pas assez fort. Je suis désolé, j'ai fait un contrôle de trop, mais j'ai pas géré. C'est bien. C'est bien ce qu'on a fait. C'est à nous. Il nous renvoie tellement c'était beau. Wow. Putain, j'étais autour de 3 mecs là, c'était un peu chaud. Ouais. Chill. 3 sur moi, les man. Ils abusent un peu. Bien ça. Ah. Oh putain, la chatte. Pas ensemble. Super, ah, allez, super ça. Bravo, toi, bien joué, toi. Avec moi, GG, si tu veux. Oh, j'ai pas compris. De toute façon, ils sont nombreux hein, du côté de Carbon. C'est pas dégueu, ça nous permet de nous replacer. C'est fermé. Hein. Ouais, vas-y, je. Ils suivent le porteur de balle. Par terre, il est tout seul. Hein. Bien, ça, bien. Bien. Je suis solo, second pote. Ah putain, j'étais vraiment tout seul. Ouais, je t'ai vu. En fait, j'ai essayé de te faire une passe, mais elle est pas partie. Donc. Retenez bien que Sardoche ne sort pas sur les centres. Il ne sort pas. Donc, en fait, vous faites deuxième pote. Elle est ambitieuse celle-là, mais elle passe. Il y a un vent en soutien, il y a un vent en piston. Remets. Coulisse. Oh, bah bien ça. Ah, dommage, putain. Il avait bien fermé la porte, j'aurais dû y aller. Tu l'as. Bien sûr. Sur Xav. Bien. J'ai pas été dégoûté. J'ai tenté. Il y avait une idée, il y avait un truc, quelque chose. Allez, on continue, on s'arrête pas. En vrai, on est plus dangereux que pour l'instant, mais. Ils sont très rapides. Ils peuvent avoir une occasion et après, on a l'homme le plus fort du monde dans la team. Voilà, on a du MV, le mur. On a du MV ici. Hein. Ok, Riff, pas mal pour DF. Il lui faut du soutien, DF. J'arrive en bombard. Oh putain, dommage, gros, tu t'es non, mais j'ai appuyé. Non, mais j'ai appuyé pour la mettre sur Jijou, mais juste. Pas grave, écarte-toi, Jijou, écarte-toi. Je m'écarte. Ouais. Ouais. C'est bien. Ah. Manque de calcium. Bien toujours, c'est même. Ah, dommage. Pas de soucis. Ah, vu que j'ai une frame sur deux, je fais un peu comme je peux là, j'avoue. Oui, bien joué, c'est MV. Bien joué, bien anticipé. Super les gars, là défensivement c'est très solide. Hein. Oui, magnifique ça. Y'a rien à lâcher là. Avec devant, c'est beau aussi les gars. C'est beau partout. Hop, putain, j'essaie de la monter. N'hésite pas à passer par moi hein, pour la remettre à DH. C'est plus facile. C'est pour toi à la base. Allez, on est bien chez eux là. Les gars, c'est bien ça, étoile. Putain, t'es impassable. T'es impassable, étoile. On est trop fort, les gars! Allez, les gars! Derrière, si t'as besoin. Encore! Allez, déroule. Déroule en bas, Ouais, bah. Bon. Super! Remets! C'est pas fini. Oh non, je suis hors jeu! C'est bien! C'est un beau silmi, coach! C'est ça l'équipe là! Non, sans. Et bon, c'est ça l'esprit du club, putain! Oh là, il est revenu derrière, c'est bon ça! On les empêche de passer! Oh! C'est direct. Alors peut-être. Ouais. Étoile. Mais mec, mais ça y est, il est transformé. Merci bro. Pas de PC, mais une manette. Oui, hein. Ouais, c'est super ça ce qu'on vient de faire. Doucement. On rebuild. Ils sont beaucoup. On rebuild. C'est bien. Oh, c'est bon, magnifique. Contrôle. Oh, dommage. Dommage, ça presse peut-être. J'aurais dû faire deux triangles. Ouais, deux triangles, ça serait passé. Ça va peut-être passer après, il peut mettre sa jambe aussi, mais. C'est pour ça que tu la pousses. Ah, non, derrière. Pour toi. Magnifique arrêt. Tu peux envoyer. Oh les mecs, ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Carbuff saute. Ouais, bah je vais essayer. C'est beau ce qu'on est en train de faire, les gars. Je me régale. Pourtant là j'ai juste appuyé. Hein. Bien ça, Tchapardino. Ah le R2. Ah mais je galope pas. Ouais là toi t'es en. T'es plus sur ton perso là. Oui. Oh. Oh bas. J'ai redonné un peu. Oui. Oh dommage. Ça va passer. Joue à deux si tu veux jouer à deux. Les grands là. Étoile. Premier pote, Étoile. On n'a pas de main. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut pas boom. Tirez plus sur les côtés. Essayez de pas rester dans le centre. Tirez sur les côtés, ça marchera mieux. Ouais, faut pas tirer. Centriste sera toujours mieux placé en fait. Boum. Bien vu, bonne décision. Bien revenu. Belle sortie, je pense. Merci, bro. Ils ont de la chatte, tu l'as touché. Bien joué. Super, ça. Ouais, bien aussi. Dégage. Loin devant. Dégage. Putain, mes relances sont cata, par contre, je suis sorry.
Oh là, debout. C'était pas mal, hein. Allez, ça va le faire. Il va si vite, bro, genre. Ouais. Là. Après, il a peut-être mis tout en vitesse. On passe par MV, peut-être. Si tu mets tout en vitesse, tu vas quand même pas très vite, hein. Remets. Putain, je. Bien. Let's go. Si t'es MV, c'est parfait, hein. Oui, MV. Allez, sur les côtés, hein. Ça déboule sur les côtés, c'est là où ça marche le mieux, vraiment. Oh putain, c'est parce que je voulais faire. Le contrôle du perso. Ouais, c'est contrôle, a fait un truc bizarre. Cavale, ils vont commencer de crever un peu, hein. Oh, l'herbe et la chatte, il a fait un tout droit, gros. Moi, j'ai déjà plus rien. T'es déjà tout nu? J'ai bien fait le balai. Super étoile. L'étoile est impériale par contre, vraiment. Allez, mon frère. C'est bien, bravo. Et en plus, il se nourrit de badois et ça me régale, ça. En occasion de badois, là. On est à 1 point, ils sont à 0-3. Ils sont à chier. On est en train, on va les faire, on va le faire. Pas de déco, pas de déco. On les massacre. Pitié, pas de déco. Touche rien. Tiens le table. Tiens le table, les gars. Non. Non, la vue. Allez, ça va le faire. Touche à rien. Sur des persos sans stats. Toi, il met tout le monde. Tout le monde a tout. On est chaud, vraiment. Allez, on va direct. Tout le monde a des persos sans stats. Tiens, mon étoile. Merci. Oh, je t'ai vu. Ah, pas mal, ça. Oui. Ouais, décroche DF, ouais, c'est bien. Voilà, bien donné, ça. Eh, oublie pas les tirs de loin, je sais pas pourquoi j'ai pas été lock. Ouais, c'est bizarre parce que moi je m'écartais justement pour que tu puisses la faire après. Ouais, j'imagine, c'est pas grave. J'avais fait à double croix pour arriver. J'aurais dû annoncer. Pas là-haut. Bien. Ah, pardon, parce que j'ai vu le Xav et j'ai voulu mettre dans la carte. T'inquiète, hein, moi je propose juste des solutions ce jeu. Dwagby, il m'a rouletté, enfin il m'a pas rouletté mais il m'a mis dans le vent. Ouais, t'as mis dans le in the wind. Bon, deuxième poteau, il y en a déjà un. Point de pénalty, deuxième poteau, il y en a déjà un. Il va vite, hein, putain. Bien ça, bien, c'est magnifique. De suite, on donne. On ne finit pas, c'est en jeu, c'est en jeu. DFG. Ah, tard, les gars. Ouais, c'était ça. En fait, j'ai été. Quand j'ai mis ma stun. Ouais, c'est ça, j'ai cru qu'il tombait, donc je suis venu pour récupérer le ballon et au final. Ouais, ça va le faire. Il va vouloir faire le fou, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Bien ça. Je suis avec toi, Père. Entre. Encore. C'est beau, hein. Ouais, bien. J'essaye. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Ouais, punaise, ils sont deux sur moi à chaque fois, là, c'est chaud avec LRB, ouais, ouais. Là. Ouf. Faut essayer en fait de faire les passes avant le joueur contrôle, quoi. Je l'ai. Parfait. Je suis esselé. Moi, un pire. C'est dur, hein. Ah, dommage, j'ai tenté. Oh, dangereux, c'est dur. Ah, il y avait un monde. Dans ce cas-là, peut-être un deuxième poteau plus fort, plus long. Bah, il n'y a personne au deuxième poteau, donc. Il n'y a pas Jijou? Non. Non, j'étais un peu. Ok. Un peu plus bas. Oh, attention, il y a un boulevard. Ouais, les gars, prends la moule. Attention. C'est bon. Bien joué. Là-haut, la lecture de jeu. C'est quoi ça? Ah, ça fait une blague. Allez, les gars, là, on est un peu dans le jeu, la seconde période, on se remet. Allez, c'est bien, ça va le faire. Oh putain. Non, mais ils ont une chatte. Tranquille. Je l'ai. Bien ça. Bien, wesh. C'est bien. Joué. Remets, si tu veux. DF en haut. Très vache. T'es grand? En bas, au-dessus. Un peu trop tard. C'est dur en vrai de jouer en hauteur, c'est tellement. Ouais, c'est chaud, ils sont grands en face. C'est défenseur, quoi. Bien joué. Oui. Bien. Hein? Oui. On rentre. Ah, non. Tiens, on a le petit contre favorable. Parfois, je me suis un contre favorable, peut-être, les gars. Hein. Ça passe pas, il y a aucune passe. Ah, il y a de la pression, dans le vocal, on le sent, ça parle pas trop. Il y a moins de vannes, que dans les lundi soir. Je me permets pas aujourd'hui. Le stay, en des grands rendez-vous. Je l'ai. Mais ça va, les contre favos, par contre. Ouais, on galère avec ça, j'avoue. Ouais, presque. Bien, Gigi, bien. Ah, ça. Langue de tir, fermez langue de tir. Ah ça, putain, et toi, t'es toujours bien positionné. C'est vraiment impérial, hein, sur cette zone. Au-dessus. Ah oui, au-dessus, il est seul. Oui. La légende. Oh, dommage, il s'en pas être dessus. Fallait que j'essaye de passer. Je suis crevé, je peux pas remonter là. Tu as un mec dans l'axe là. Super. Je t'en remets, Xav. En bas. Wow, oh non, moi je cavale pas, je suis mort. Attention, là on fait les suites dans les pieds. On a vite la balle là, y'a un trou. Oh, c'est la merde. Oui, gardien. C'est ça. Autoritaire. Allez, les gars, c'est bien, gardien. Chacun un joueur. J'aurais crisé de. Le blond là. Super def. Ils vont sûrement jouer à deux. Ouais.
Ah, Dwag qui pick up. Il perd du temps. On jette pas. Super. Il fait bon appel aussi. Dans les pieds, dans les pieds, dans les pieds. Bien joué, bien joué. Allez, ça libère. Allez, super. On se replace, on se replace. Super. Bien étoile, ça. Du soutien, ouais, bien joué. Oh. Au-dessus. Ah, j'étais tout seul. C'est bien, c'est bien. Il fallait. Faut taper un moment, faut se délivrer. Ah ouais, ouais, sinon. On tourne autour. Ah, punaise, dommage, j'ai pas réussi à le choper la bourse. Je suis crevé. Pareil, eux aussi, hein, c'est pareil. Hein. Eux aussi, ils sont morts, hein, de toute manière, je crois, donc. Y a match nul là dans. Enfin, y a quoi? Y a prolongation genre, dans ce genre de. Ah, je sais pas. Ouais, là, à gauche, si tu veux, je suis seul. Sylvie à droite. Nice. F gauche. F gauche, la ref. Ah non? Grave, le coach. Ok, nice. Bien joué, MV, merci. Bat-toi. Oh, la chatte qui ah ouais, gros, il la reprend ça. Encore. Il la reprend, ouais. Ça va le faire, allez. Oh, c'est dingue, on n'a pas ça. Il fait 1m80. Hein. il m'a fait ankle break, là. Ah, putain. Aïe, dommage, on se gêne au milieu de terrain. Je sais pas. Allez. Merci pour les 900 balles. Voilà. Je pense pas. Ah oui. Il y a rien, il reste 7 minutes. Allez, ça va le faire. Il y a R. Ça peut le faire. Oh là là. C'est chaud. Premier long de l'année. Bien, ça, super. Ouais. Trop. Oh, dommage. Il prend le pied. Ouais, c'est rien. Ah là 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 là. Bonsoir. C'est bon. Il est en bas, T'inquiète. Olé. Bien. Parfait. Hop, il y a trois joueurs qui sont sortis. Ouais, allez, l'arnaque d'une vie, c'est maintenant. Allez, go. Allez. Oh, le jeu qui s'est mis à ramer quand j'ai. Oh, le jeu qui rame quand je reçois la balle, ça fait plaisir. Classique. Ah là, les gars. Oh, c'est dur, il garde la balle là. C'est chaud. C'est con ça. Ah, là, ça va, on n'a pas été ridicule. Ah, c'est le match, il est pas pour nous. Il est pas pour nous, on n'a pas été ridicule. Franchement, on n'a pas été ridicule pour ce qu'il y a sur le papier à la base. La vache. Bien joué. La vache. Oh là là, c'est chaud. À la fin, quoi. Putain, par contre, il a été très très bon, le petit étoile là. Étoile, gros, t'es étoile, par contre, c'est clair, incroyable. En fait, le problème, c'est que j'aurais essayé de tirer grave bien. On peut en chercher d'autres des matchs. Si je suis pas pixel, pas relancer pour mettre mon défenseur et me. Ah ouais, non, mais c'est dommage. En vrai, t'as été tellement chaud. Tu sens qu'ils ont l'habitude de jouer. On a pas eu ce BO3 Bah si, mais t'es obligé de quitter. T'es obligé de quitter. Parce que, enfin, attends, ça saurait si le jeu était bien. Mais ouais, on n'est pas passé loin, mais bon. En fait, il nous manquait à chaque fois la petite extra passe en fait dans certaines situations, parce que quand vous êtes dans la surface, il y a souvent des possibilités pour décaler. Après, les gars, leur tout, c'est Dwag. Hein. Dwag, il est vraiment chaud. Hein. Il fout le dos, Dwag, il fait plus de chambre. Vous avez peut-être des points, les gars. Les gars, vous voulez rejouer? J'ai un point. On rejoue. Ah, nous, on n'a pas trop de points, c'est vrai. De toute façon, tous les persos étaient morts à la fin, c'était insane. J'en profite pour remercier les donations. Merci beaucoup Let's Go 2 millions qui a donné 1 euro. Merci beaucoup Décidement Impastis qui a donné 7 euros. Merci beaucoup à Donateur Anonyme qui a donné 1 euro. Lithium qui en a donné 27. Zécham qui en a donné 7 euros. Zécham Conspiracy qui a donné 7 euros. 44 BCJ, 7 euros aussi. Merci beaucoup évidemment pour tous les dons. On continue, on ne lâche pas, bien sûr. On ne lâche pas les dons, bien sûr. Les 900. Ah là là, Faker qui ils ont perdu 3 euros. Merci beaucoup Merlin qui donne 2, ce qui donne 7 euros aussi. Merci beaucoup. Dommage. Dommage pour eux. Quoi. Il nous manque qui? Rupert et on peut retarder. J'arrive. Ouais, Rupert, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour la gorge, du miel? Les goals, c'est normal qu'ils sont à 86. Ah, ouais. Ah, bah super. C'est bon, on va envoyer. Merci beaucoup. Ça régale. Du coup, pré-shot. Xav, tu tags le match. C'était en amical. Ah, tiens, je t'ai mis. J'ai la flemme là, je comprends pas comment ça marche. Il est perdu. Tu as juste à taper le nom. Il était pas dégueulasse hein, sur certaines phases de jeu, c'est juste qu'on a pas réussi à terminer en fait, tu vois. Genre, tu sais, c'était assez. Par ça contre, faisait seconde mi-temps, quand ton joueur il court plus, c'est dur. Hein. Ouais. Bon, au deuxième, là, on est bon. Ouais. Mais en même temps, on a fait tellement d'efforts pour revenir. En vrai, 1-0, même les attaquants, sachant on que les mecs bas, sont censés être en div 1, les Dwag, les Gotha, les mecs comme ça. Ouais. Franchement, je suis fier de nous. Mais grave,
Ouais, mais tout à l'heure on a mis un but là, forcément. C'est... Ouais, ouais. Ah, bah, mais en bref, par contre, on est d'accord que Yves pas étoile, alors on prend 18-0. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est chaud là. Yves sans étoile, mort. Les bots, c'est bien. Par contre, le truc, c'est vrai qu'il faut absolument pas du tout tenter un truc cavalier solitaire quoi. Tu faut jamais tenter un truc comme ça parce que sinon c'est. Tu t'es baisé quoi. Même effacer un gars, c'est tellement dur. Ah, je frappe avec R2, c'est vrai. De quoi ? Frappe avec R2, là, ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Ça pulse, hein. C'est frappe en puissance, quoi. Allez, les gars, allez, même. C'est parti, la même, allez. La même en mieux. Allez. Oui. Oui, Hervé Matou. To the moon. Ah, j'ai enlevé le Hervé Mat, hein. Ah, oui. Normal. Let's go! Yes! Well played, bro! Bien joué, bro! Bien joué, bel win, bel win! Let's go! Il devait y avoir des petits bugs chez eux. Let's go! Xari, c'est quoi le score là? Merci beaucoup pour le chef Bretagne, merci pour les 1€, merci beaucoup à la donateur anonyme qui a donné 1€, merci beaucoup à la fin c'est Nice qui a donné 1€, merci beaucoup la bourse luxembourgeoise qui a donné 1€ aussi, merci beaucoup Macléo 20 qui a donné aussi 7€ à les Brest et à le foot, merci beaucoup Ciboulette, merci beaucoup. Coach. N'Golo, N'Golo. Coach. C'est si nul. Mais ça te fait rire. Putain, merde. Comment il s'appelle? Coach. MV, puis c'est quand même, t'as l'air chaud, t'as l'air très chaud en culture G. Alors, tu parles de MV? Comment ouais, il s'appelle? Il s'est barré, il a plus son casque. C'est qui la meilleure équipe de questions pour un streamer en vrai? Ah, ok. Apparemment, c'est Antoine et. Certains disent que c'est Antoine Ponce, le site 1. MV Zera? Non, pour moi c'est Zera MV. En fait, il y a deux sites 1. Il y a Antoine Ponce, site 1 de la poule 2. Et de la Antoine Ponce, c'est Zera MV? Ouais, j'avoue. La poule 1, c'est Zera MV, Kameto Jiraya, Amin Billy et Little Big Well Gozer. Il n'y a que les deux premiers qui passent ou il n'y en a qu'un qui passe? Il y a les deux premiers qui passent. Oh putain, la petite manœuvre qu'on va trahir. Vous pouvez passer. Alors, ouais. Et la poule 2, c'est du coup. Merci JDG, beaucoup, il y a plein de donations de 1€. Merci beaucoup, Naya. Merci beaucoup, Aerobog. Merci beaucoup, un donateur anonyme. Merci beaucoup, Velox. Merci beaucoup, l'homme des emojis qui donne 1€. Merci beaucoup, Jean Bombard, qui donne 1€. Merci beaucoup, le mec Lovin. Merci beaucoup, évidemment, tous pour vous. 1€. On va passer à 1516€. 616€, pardon. Vous êtes dans la feuille là, c'est ça? Il te manque toi, étoile. Merci beaucoup à le match d'encens qui a donné aussi. Presque Capital du Monde qui a donné 1€. Le match d'encens qui a donné aussi 1€. Et Truc qui a donné 27€. Merci. Beaucoup à vous trois en plus qui se sont rajoutés. Ça se mobilise évidemment, on n'arrête pas. Normalement, ça va commencer vers 20h. Oh putain. On s'est pas niqué, mais regardez, Jeff. Il est en train de mourir, dormir. Oh, il dort, il dort là. Oh, bébou. Oh non. Bébou. Oh non. Le bébou. Pardon. En plus, ça nous a trop berçant, le FCC. L'armée de Havro chez Zera. Mais c'est vrai que c'est berçant, moi, je trouve. Hein. Le FCC, ouais, Chabot. Quand on gueule comme des ânes, ouais, c'est lourd de fou. Il doit bien dormir grâce à ça. Faut plus tirer. Sardoche, il veut te parler, je crois. Vous êtes prêts, bah, parfait. Ah, nous aussi, on est prêts. Pas gros, alors. Par contre, Sardoche gardien, c'est incroyable. Non, Sardoche, c'est le moins bon joueur, mais bon, après, tirer, c'est bien joli, mais il faut d'abord réussir à être en position de tirer. Il y a des défenseurs avant. Ah, clairement. Ah, il joue pas mal, Doak, quand même. Hein. Il s'est chauffé de fou, même en fut de champ et tout, il fait. Non, mais oui, même Gotha, ils font 15-14. Ils font 15 victoires. Sur 20, merci, mais non, oui, merci, oui, clairement. Ça pue la clope, là, pourquoi? Un petit quand on est mélange d'odeurs de sale déjà qui. Ah ouais là. On donne, on est là pour donner, mais c'est vrai que. Oh, 108 balles, Vanesse. Mais après, j'adore moi l'odeur de l'essence, mais j'avoue que l'odeur de club. Bah... Ah, l'odeur de club, par pitié, fumez dehors quoi. Ah, l'odeur de l'essence, j'aime bien, mais quand c'est dans un lieu pour quoi, tu vois. C'est vrai, c'est. Attends, il y a des lieux de sniffage d'essence. Hein. Bah non, mais ils n'ont pas essence, mais... typiquement quoi, tu vois. Un garage, ça peut le faire. Un garage aussi, ça marche aussi. C'est intéressant de trouver cet endroit. Allez, les gars, c'est match quoi. Allez, go. Oula. Allez, c'est match. Ah, t'as focus, fait un focus. Il a applaudi. Oh là, étoile. Non. Tout va bien, tout va bien. Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout y va ben, tout y va ben. Non. Ah, comme ça, Zinedine. Oh là là, la côté. Allez, on se gifle la gueule là. Attends, mais côté, il est pas dégueu non plus en vrai. Bah non, ils ont encore les dégueux, mais gros, ils sont tous soirs. Ils ont que c'est pas mal joué quoi. Mais c'est leur vie. C'est un gris qu'on les accroche. Et on continue à donner sur tous les chats de français de la barre. Oh, c'est grave ce que tu l'as mis. Oh! C'est trop, faut un but. Ah putain, dommage. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un corner. Un coco. Oh, je suis chaud, tu joues à deux si tu veux. Direct. Non, ça marchera jamais.
Il a pas assez d'effets, il a pas assez. Ah, pas de couilles, GG, mais bon. Oh, reviens derrière. Ouais. Derrière. Oh, il y avait DFG, ah, DFG. Ouais, derrière. Ah, je l'ai pas vu. Derrière, sinon, ouais. Dommage. Attention, tout seul, j'étais en bonne position pour envoyer. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Mais il court tellement vite, Gotha, gros. C'est ouais, il court vite, ouais. Allez, bé. C'est vrai que Gotha, il court vite. Ouais. MP, il me pulvérise. Quoi? Ah oui, d'accord, c'est pour moi, ça. Ouais, il a tiré trop fort. Un peu, ouais. Un peu énervé. Oh, magnifique, okay. C'est le con, c'est là. Allez, envoie à droite, pleine balle. Allez, on peut pas bouger, là. Vas-y, j'y joue. Oui, c'est but. Ouais. Oh non, putain, c'était pas assez fort. C'est pas. Ah, j'étais au max, là. Ah ouais? Ah, j'étais au max, max. Non, par contre, c'était tendu, donc peut-être en l'envoyant pas tendu, c'est plus loin, non? Ouais. Ah, c'était tendu, c'est peut-être pour ça, d'accord. C'est sûrement pour ça. Oh la vache, t'es tamponné. Oh. Sur MV. Sur MV. Ouais, loin sur MV, c'est sur MV. Il va voir sur MV le temps que ça passe la touche. Voilà, la passe dans l'axe. Et alors, même si. Mais quoi? Fallait que je fasse trop beau, Maïbat. Bah non, c'est pas toi. En fait, fais la ménage là-bas, forcément, le réseau, ouais. Et alors, le pressing terrible. Ah non, mauvais coup. Ouais, allez, allez, c'est rien. Allez. Non, mais non, zéro, c'est pas ça la question. Ça va. Quoi? Ah non, my bad. Bastard, il joue à la souris là, on le fracasse là, c'est bon. Vraiment, il joue à la souris le bâtard. Frappez juste, on frappe pas. Qui joue à la souris? Sarb. Sarbache. Ah, c'est ça, il joue à la souris. Pressé, les gars. Ça nous découvre un petit peu de l'autre côté, même. On l'a déjà fait. Bah, bien sûr, on l'a déjà fait. On se souvient d'ailleurs qu'on l'avait fait. On se souvient très bien. On se souvient tous très bien. C'était sur et PC. Oui, allez, ça va le faire. C'était en 2021 et on l'a fait quoi. C'était dingue. Bon voilà. On commence à me faire chier là. Et... Zoro Ronaldinho là. Ouais. Où si tu veux. Là-haut. Putain. Oh mais attends. Mais... Ah ça vient vite. Hein. Bien ça. Oh c'est sérieux. Putain, côté il revient ah, tellement vite quoi. La vache il me baise en vitesse. Ah, je suis parti. Le coach. Le mur. Oh, oui, corner, bien. C'est un corner. Bon. Allez, c'est un beau corner, allez les gars. De toute façon, c'est sur de la tête. Hein. Mettez-vous dans différents angles, non? On fait bon, quoi que ouais, tu vois. Allez, donc on va tenter le premier pote. Hein, peut-être essayer de faire un appel court, un appel comme ça, au moins on libère un peu d'espace, quoi. Ok. D'accord. Oh, il a pris la tête. Oh là là, putain. Je suis pas allé au duel, bizarrement. Ok, oh dommage. Oui, oh, la petite jambe, la petite cuisse. Ouf. Oh, bien ça. Ah, t'as le grand hein. C'est bien, allez. Pastis délicieux. Ah, parce que même s'ils ont joué, en fait, naturellement, c'est vrai que ton perso il prend des points. Ouais. Bah, même s'ils ont enlevé les points, ouais, tu sais, ouais. leur perso est. Oh. Si tu veux, Romain. Ah, oh, putain. Un peu tard, c'est pas grave. Allez, les mecs. En route. Mais oui, parce que du coup, ouais. Ton perso se développe, mais c'est pas... Qui joue sur PC aussi, côté Kamel et tout. Ouais, il joue tout sur PC. C'est pas crossplay, ce jeu. Oui, ce n'est pas un jeu. Il joue sur PC, tu peux pas jouer avec ton pote, donc... Bien ça. Bien joué. Bien ça. Oh là là. Oh là, les gars, dégagez-vous de ça. Ouais, c'est basse. Non, c'est ma bad. Là... Bon, Luc, tu vas nous mettre une enroulée. Oui. Non, mais après, déjà, ne pas perdre la balle, très bien. Ok, hop. J'arrive, bien. N'hésite pas. Ah, dans les pieds. T'aurais pu tenter un boom, hein. Ouais. Un petit boom. C'est vrai. C'est toi, j'arrive. C'est pas grave. Ouais, n'hésitez pas. Prochain, on y pense, à 25 mètres. Attention, point de pénalty. Pas sur trait, ouais. Oh, non, je peux pas. Celui-là, ah, dommage. Non. Oh là là. Ouais, mais c'est quoi ce dégât? Il tire avec. Je sais pas joué, là, mon salaud. Salaud. Je peux rien faire. Salaud. Mais allez, on va marquer un but. Allez. On va moins se mettre un but. Ouais, mais comme il l'a dit, tu vois, les persos sont déjà plus forts vu qu'ils jouent sur PC. Même s'ils ont enlevé les points. Sur PS5. C'est cher. Sur PS5, le rageux. On fera notre revanche avec nos persos 95. Attends. Je pense qu'il a mis tous ses points en vitesse, genre. Oui, je pense, oui. Après, ils sont aussi plus forts que nous de base. Hein. Ah, oui, non, oui, pas tellement, ouais, je pense. Viens court.
Bien ça. Oh, il y a Gige. Boum. Allez, boum, 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 hein, il fout. Un peu croisé, un peu pas sur eux. Bah, j'ai croisé, moi. Ouais, ok, c'est pas grave alors. Oh, ils se prennent trop de la tête, ça me rend dingue. Oui, j'avoue, je pense que j'aurais dû la refaire à DFG, moi, mais. Pas mal, ouais. Pour baiser le gol. En France, je suis pas à la sortie. À gauche, pense si tu veux, je suis seul. Allez, avant la mi-temps. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Allez, les gars. What the fuck, mate? Allez, on chauffe, on chauffe. On chauffe, les gars, là. Je vous trouve un peu mou. Ouais, on est un peu mou. On prend du poil de la bête. Voilà la spéciale. On veut faire mal. Oh, l'aspect. J'ai juste là. L'aspect. Entrez. Sur dodo. Putain, je peux pas faire la. reviens derrière, ouais. Coulisser. Ouais, faut changer de côté, je pense. Ah ouais, c'est. Putain. Faut tourner et changer de côté quand c'est comme ça. Bah, je vais me d'accord. Ah, ils vont garder. Ah, ils vont lancer une dernière, ils vont lancer une dernière. Ouais, je pense, ouais. Ok, une petite dernière. Bien, ça, super étoile. Allez, je suis parti. C'est la dernière, quoi. De toute façon, quoi qu'il, ça sifflera sinon. Oula. C'est là, on va rester sur Jijou. Je croyais que c'était un. Ouais, mais c'était bien tenté, c'était bien tenté. Bon, les gars, faut tenter, faut tenter. C'est pas fini. 78 balles et 100 balles. Oh là là, mais de l'argent, mais de l'argent. Merci beaucoup, Pingas. Merci pour les 7 euros. Merci beaucoup, Team 1 euro qui donne 1 euro. Merci beaucoup, Valuminous qui donne 1 euro. Merci beaucoup, Lush pour le 1 euro. Merci beaucoup, Nazarnim pour 1 euro. Merci beaucoup, Nazarnim pour 1 euro. Merci beaucoup, ma mère pour le 1 euro. Merci beaucoup, Marie-G pour les 27 euros. Merci beaucoup, Jocelyn aussi pour les 7 euros. Il a changé de camp, quoi. Merci beaucoup, Anonymous pour le donateur. Continue à donner. Merci beaucoup Olivier pour les 1 euro. Merci beaucoup Max aussi pour les 7 euros. J4 pour les 10 euros. Traxou pour les 1 euro. Petit auditorium pour les 1 euro aussi. Et à de la terre anonyme. Let's go mourir pour les 6. Let's go mourir tous les cerveaux du monde. Let's go mourir. Là-bas, normalement. Tout donner. Les cerveaux, bien sûr. Mais en vrai, même s'il en prend 2-0 et tout, on a tellement step up comparé à. C'est hallucinant. Le premier, c'était très bon. On va y arriver. On aurait pris des 18-0. Bravo. Faut de la popo, ouais, on a décidé. Pas de problème, quoi. Ce week-end de pas être ivre mort. Ouais. À 18h, à 19h, ce serait un peu, ouais, dommage. À 19h, c'est peut-être un peu tôt, ouais. À gauche, pense, tu seul, à gauche. Ouais. Bien joué. Sarge ou sacré des triangles les gars. C'est une manière de pour gagner, lui, là. Putain. C'est pas grave, allez. Ils attendent que le défenseur se jette et derrière, ils vont la donner. C'est comme ça qu'ils sautent nos lignes. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Doucement. Wow. Derrière si tu veux. Il faut, c'est impossible de l'aider là. Ah ouais. Allez, derrière. Voilà. Ouais, t'inquiète. Il se passe un peu en haut là. Ouais, si tu veux. Ah, dommage, j'aurais dû reculer plus, pas venir autant. Ah ouais, il cavale quand même bien. Cavale, tirer Henri encore. Oh oui, le coup de physique. C'est oh, bon. Le petit lob gourmand. Il a tenté, Il a gourmand. Il a gourmand à gauche, tu veux, pense. Ouais. Ok. Oh, super. Ouais, relance de fou là, par contre. Ouais. Derrière, si tu veux, en coulisses après à droite. Ouais, allez. T'as raison. Alors ouais, peut-être. Bien. Il fallait tenter. Allez. C'est la révolte là. Oui, t'es grand. Vas-y, donne-la MV. Là-haut. Oh, y'a main, gros. Y'a jamais de main sur le jeu. Ah, mais ah ouais 5 mètres, hein, 25 mètres des cils. Des gros cils. Ah, non, mais t'as raison. Des énormes cils. Une balle, un missile. Un gros cil mi. Oh, le petit passe, ouais. Oh, oui, pense. Oh non, la chatte. On a pas de chat, frère, on a vraiment pas de chat, quoi. Donc là, y'a pas de chat. Oh non, là, y'a vraiment pas de chat. Mais pourquoi il le prend pas dans ses mains, en fait? Ouais, je comprends pas non plus. C'est vrai, il fait. Oh non, le tibia. Juste le tibia. Je le laisse passer alors. Je comprends pas. Ça dégoûte. On a vraiment du mal à tirer, c'est tellement chaud et moi, défendre. Mais en fait, y'a un truc. Y'a un truc que je me demande, c'est que. Est-ce que leur club, vu qu'il est pas en div 1, ils sont pas. Ils pas des meilleurs boss, quoi. Mais Guerrier, ils l'ont créé pour l'Ogas, je pense, Guerrier. Ah non ouais, peut-être. Ah oui, ils l'ont fait pour l'Ogas, oui. Non, mais j'étais en mode. J'ai l'impression que. En termes de. Ah non. Oh les gars. Ah putain, oh, le coup de physique de fou, tu prends. C'est trop chiant, ouais. Incroyable. Merci beaucoup, Citron, pour les 100 euros qui ont été donnés. Merci énormément pour le soutien, évidemment. Se faire torcher pour vous, devant vous, pour Action contre la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup, c'est énorme. Un maximum de cerveau, merci pour les 100 balles.
C'était ça le plan pour notre club. Leur line-up, c'est vraiment des. On n'a pas remarqué de but depuis le match. Corner. Merci, Citron. Ouais. Et quel but hein. Ah, par contre, le but était ouf. DF, c'est toi le meilleur. C'est Laurent. C'était mon seul ballon du match. Ouais, on n'a pas touché beaucoup de ballons, mais c'est. Mais là, c'est comme si on jouait en divin, quoi. En divin avec des. Oh oui, oh dommage. Dommage. C'est pour DF, hein, mais je sais pas pourquoi la fin en bas. Hein on a faim là, on sent que. On sent qu'on a faim. Ouais. Oh oui, oh, bien oui joué. Oui. Oui, ah, alors peut-être. Let's go. C'est let's go. On a gagné. Antorsovski, messieurs dames. Il est là. La tête. La tête puissante. En vrai, go tirer. Je tire, il repousse, tu marques derrière. Mais ouais, il faut tirer, go tirer les gars. Les gars, c'est une victoire pour nous à 3. Ben bien sûr, ça nous délivre. On les massacre. On a gagné. Ah dommage, le 4-1 qui arrive là. Oh, finalement. Mais ça fait que ça, par contre, là. À gauche, voilà, ponce, à gauche, Fussel, à gauche. Au revoir. Ouais, rive. Recevoir. Ça fait vraiment deux fois. Un million neuf cent mille euros. On est à 1 900 000 euros, oh my god. Je viens d'avoir un double 1000 balles pas en live. Oh non. Ça se démonte. Les comptes favorables, par contre, ça dégoûte, frère. Par contre, ouais, c'est leur vie, c'est des comptes favos, quoi. Ah, c'est beau. C'est un truc de ouf. Ah, chier. Oh, ah, c'était chaud, chier. Là. C'était chaud. Ouais. Non, mais c'est mérité qu'on le prenne pas. Attention, pas de pastis. Non, y a pas de pastis. Ok. C'est pas dégueu, ça. C'est pas dégueu du tout. Ouais. C'est pas dégueu. C'est putain, mais il se fait hagar à chaque fois, là. Ça me casse le couille. Waouh, bien joué. Il est vraiment bien. Il est chaud. Là, les gars, les mecs, ils sont contents, ils vont peut-être gagner le match. Nous, on a mis un but. Hein. Ouais, pas n'importe quel but. Hein. DF, c'est un doublé. Hein. Ouais, ah, que la tête. Ouais. Dommage. Aïe. Ah, mais ça. Ça, ça déroule. C'est bon. Ça serait bien, ouais, de pas en prendre 5 quand même, les gars. Ouais, ce serait cool, ouais, qu'on évite de se faire torcher complet. C'est vrai que 4 ça va, mais. 4 ça va, mais 5, ouais. Mais pourquoi ça fait pas Xav, gros? Ah, mais je comprends pas qu'on gagne pas parce qu'on s'applique. Passez un peu en bas aussi, ouais, n'hésitez pas. Bah ouais, tiens, ouais, ok, quel cadeau celle-là. Bah ouais. Bah on rigole, mais là regarde ce qui se passe, c'est de la création. Ok, oh, j'attends ça. Et ça, c'est moi qui fais perdre la balle là. Bon, oh, ça va, frère, c'est la deuxième balle que je touche de la deuxième mi-temps, je me régale. C'est abusé, gros, t'as rien fait. On voit direct. À gauche si tu veux encore. J'arrive, c'est derrière toi. Ah dommage, étoile. Dommage. Oh, il est vraiment fort. Hein. Ouais, il anticipe tout. Ouais. C'est vraiment un cyborg. Hein. Ils l'ont mis en tout, gros. Ils se sont pas mal amusés. Oh oui, magnifique ça. C'est que quelque part, ils nous prennent au sérieux. Bah gros là. J'aurais bien aimé avoir un petit en tout. Aïe. Ah, je pense qu'il faut en refaire une, mais doit pas en tout. Non, et en vrai, moi je fauteuil pense pas en refaire une. Hein? Je pense pas en refaire une. Ah merde. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est un BO3. Il est déjà 19h30. Non, c'est un BO5, mais. Ouais. Au 9, quoi. Ah, pas cadeau celle-là. C'est un BO7, mais. Bien. Ah, ouais, pas attends. Mal. Oui, tenté, non, mais... Je sais pas pourquoi je t'ai vu seul dans ma tête. Il va falloir qu'on parle, voilà, MB. Ouais, si tu veux. Réseau. Ouais, ouf. On va finir, allez. Bon, au moins qu'on ait des images de frappe. Ouais. Pour le best-of. Pour le best-of. Oh non, putain, je la prends pas derrière. Mais pourquoi il met son talon en avant, lui? Encore plus gagné grâce à ça. Ah, mais pour moi, c'est ça, ça prouve qu'on est maudit, quoi. Bah, qu'on est meilleur qu'eux, surtout. Ah, bah, terrible. Surtout, ouais. On leur casse la gueule tout le long du match et regarde la chatte qu'ils ont. Voilà. Ça me dégoûte, hein, moi, ça. Par contre, quand vous tirez sur le côté dévié, Sard, il peut pas la toucher, hein. À chaque fois. Ouais, remets. Et pourtant. Oh là là, c'était belle passe. Dommage. C'était sympa. C'était tenté. Sexy. Non, on n'a pas de chance, les gars. Club maudit. Après, ça va, on a marqué. Après, club maudit, si on devait se battre contre les personnes. Quand on devait jouer, pardon. Se battre également, nous. Non. Jouer contre les personnes qui étaient prévues. Ah, joué, bien joué à eux. Ils ont été meilleurs sur ce match. Bravo, les mecs, rien à dire. Vous êtes juste nuls. Ah, je comprends pas pourquoi tu dis ça, en fait. Bon, ça, on est nuls. Non, je pense que c'est pas ça. Non, je pense que y a enfin contre Favre, contre nous. Aïe. Après, ici, c'est quand même Silmi, quoi.
Putain, on... bah exactement, on joue pas sur notre setup, on joue pas sur notre setup. Est-ce qu'ils ont mis un but en dehors de la surface? Non. Ça marque sur penalty. Nous non plus, mais bon, c'est pas. Parce qu'en fait, les games elles sont un peu longues et j'avoue, là il est déjà 19h05. En gros, si c'est la merde. 55 minutes. Ouais, vas-y. T'inquiète. Allez. Il n'y a pas de soucis, les amis. Regarde, on a 105 passes réussies contre 89, 43 attaques contre 37, 10 tirs à 11. Ouais. Ça dégoûte. Bien joué, les gars, bien joué. C'est pas payé. En vrai, on était pas si. Ils étaient pas c'est beaucoup plus fort que nous en vrai. Ah bravo, le cyborg, le cyborg. Bravo, bravo, côté aérien, t'es un monstre. Ah, y'en a, c'est des grands du foot, aussi. Ouais, bravo. Sardoche, attention, le gardien. Bravo. On fait un match ou vous faites autre chose? Bien joué, gros. Moi je vais faire un petit match, hein. Bah moi je suis chaud de jouer, moi. Elle est armée monstrueux, quoi. Ah ouais. Dommage. Aïe. On n'a pas réussi à faire la différence. Ouais, bien joué, quoi. Ouais, ils sont plus forts, hein. Joué l'équipe, quoi. Ils ont été meilleurs. Juste on s'est fait lave. GG quoi. Ça fait chier. Bien joué. Le boss. On n'était pas dans les meilleures conditions. Bravo, GG, monstrueux. Tellement malhonnête. Non, en vrai. Quel joueur, gros. Tu m'as bien dépassé, parfait. J'ai essayé, mec, en vrai. Il y a des fois, putain, ça passe pas, quoi. C'est clair. Mais tu sais que vraiment, genre, sur le côté, ça allait. J'ai l'impression de trouver des espaces et tout. Mais bon, devant, j'étais en mode, bon, bah, ça passe pas, tu vois. Mais ouais, putain, c'est chaud, hein. Après, on a des joueurs professionnels de mais FIFA. Gros, mais Gota, il est trop fort. Putain, mais j'avoue, quoi. Gota, trop fort, quoi. Ça arrive. C'est moche. Aïe. Tu sais que sans étoile, notre équipe pue la merde, frère, par contre. Ok, sympa, non, merci. Là, il a touché Discord, on peut dire la vérité. Vous faites quoi, les gars, vous? Mais moi j'aurais bien aimé jouer, moi, mais... Moi je serais chaud de faire un petit match à nouveau, mais... Ouais, un petit match en fonction de... On peut mettre... Au pire, on met Rive en tout, et comme ça il a et l'ailier, il a non, j'avoue, je suis pas très chaud de partir en tout. Ça marche, avec je trace alors, moi. Avec... Ça, je trace, moi je vais bouger, les gars, du coup. Vous voulez refaire des matchs, non, du coup, sans... Si vous voulez, sans je fais le plan cul en tout, mais... Oh, MV en plan cul, je suis chaud. Attendez une seconde. Ça va être terrible. Non, en vrai, je pense que tu vas être chaud. Allez. Bon, merci beaucoup pour les 300 balles. Merci beaucoup. Incroyable. 300 balles de l'Ioniseur. Incroyable. Merci beaucoup. En Div 10, on a le droit de s'amuser. Incroyable. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier aussi Flipper Metal. Merci qui a donné 10 euros. L'Ioniseur, donc 300 balles. Merci Objectif Mulet qui a donné 5 euros. Los Joss qui a donné 7 euros. Un bon internaute qui a donné 1 euro. Un gars de Nantes qui a donné 50 balles également. Incroyable. On avance. Et les 16 000 euros ont été passés. Bravo à toutes et à tous. 16 000 balles qui ont été passées. Non, on est deux. Ça s'applaudit évidemment dans le chat, bien sûr. 16 000 euros qui ont été effacés. Bravo, franchement, c'est ouf. Merci beaucoup, donateur anonyme de 1 qui a donné 1 euro. Merci beaucoup, donateur anonyme. 1 euro, beaucoup de 1 euro qui ont été donnés. Le raid de 19h, donc ça c'était déjà tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Kane qui vient de donner 108 balles juste derrière. Merci beaucoup. Tant de générosité pour Action contre la faim. Yeah! Ce soir, on fera un petit peu de. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que du coup, il va y avoir le question pour un streamer. Il y a des chances qu'on continue la tier list ou qu'on joue un petit peu à Crusader Kings. On va voir ce qu'on fait ou qu'on aille faire un petit tour, voir un peu. Et il faut aussi qu'on fasse. Du coup, faut que je fasse la présentation. Faut que j'aille faire la présentation du coup de la Bretagne aussi là. Parce que c'était. On a fait 3000, 6000, 12000, 15000. Ah non, du coup, on a déjà fait pour 15000. Donc voilà. J'arrive, les gars. Bon, on est à Lorient et vous êtes. J'ai quoi. Question pour un streamer. T'as oublié 9000. Non, 9000 on a fait. Après, on a fait pour plusieurs aussi. Merci beaucoup, Saladin. Merci pour les 7 euros aussi. Merci beaucoup. Continuez, c'est top. Merci. Trop bien. 9000, tu sais qu'on a fait pour 3 personnes en même temps hein, aussi hein, sur la chaîne. Hein. Faut le savoir que on a fait pour Trivia. Pour Amin et pour Amin, Trivia et Magla. Donc voilà. Bonsoir et bon courage en province de Madagascar. On embrasse évidemment nos amis malgaches, bien sûr. Évidemment. Merci, c'est trop cool.
Le tour de bataille sur Eurotruck. Ah oui, on a le tour de Bretagne à faire sur Eurotruck aussi. Il va falloir que je télécharge Eurotruck. Il va falloir qu'on télécharge Eurotruck tout simplement. Exactement. Putain, il y a Eurotruck aussi à faire. Il y a Cruiser King, ça partait des images de ton let's play. Putain, sérieux? Mais non. Ah oui, mais j'avais reçu un message. J'avais reçu effectivement un message de, du community manager, il me semble. Ouais. Ah oui, c'est vrai, punaise, ils ont partagé ça, trop marrant. Le compte officiel de Cruiser Kings qui a partagé le let's play Wild Trollings from Brittany for Normandy's Story Revenge found a wide length fierce fire between animals against the French garnison. Mais du coup, c'est bizarre parce que le tweet est en anglais, mais je parle en français dedans. Et il n'y a aucune image de gameplay de Cruiser Kings. La poterie, ça va être tendu, non? Ouais, j'espère qu'on va faire la poterie. Ouais, c'est non. Mais oui, j'avais été, ils m'avaient prévenu qu'ils allaient partager. Merci beaucoup pour les 15 balles, bébé. Kong, merci beaucoup à Flo pour les 7 euros. Merci beaucoup, Miscan, pour les 7 euros. Et merci beaucoup, Venice Boom aussi, qui a donné 27 euros. Merci, merci beaucoup. Merci énormément. Donc, ils ont fait un bon petit truc, quoi. Clarisse, la Rosta, de fou. C'est quoi Eurotruck SVP? Je sais pas, peut-être ce soir, à mon avis. Ce soir, ce sera ça, quoi. Ce sera Eurotruck. Je retourne sur le Discord, vite fait. On en est où, là? Mais il est parti... Ah, mais Antorsovski, il est plus là et tout. C'est bordel. Antorsovski, il est où? Ah, mais Antorsovski est parti, en fait. Tout le monde rive. En gros, là, le truc, c'est qu'à 19h15, il y a un rush de 1 euro, etc. Donc, je pense que, limite, on fait le rush et ensuite, on joue. OK. Le but, c'est de rush aux 2 millions. Très bien. 70 000, là. Très bien, OK. Ça marche comme ça. Après, on game après. Je dirais Gigi et tout, et je pense que c'est le bon plan. OK, faisons ça, coach. Très bien. Donc, on va se muter rapidement. Hop, on va fermer ça. On va fermer vite fait ça. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Batman. Merci pour les 7 euros. Énormément. Merci beaucoup Venice Boom, ça c'était remercié. Merci pour les 7 euros, on a fait 16 000. Et du coup, les prochains donation goals, c'est 20 000 découvertes du combat médiéval en live. Ça, ce sera en live histoire. Et ce sera cool. Ils sont tous au toilette, ouais, c'est ça. Parti, ça bug, c'est trop chiant. Merci beaucoup à Vie d'Imposition qui a donné 10 euros aussi. Mais je crois que ça bug de fou. C'est le problème. Ouais. C'est ça qui est relou un peu. Je vais prendre de l'eau, je reviens tout de suite.